Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir, un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans l'Interview Street, il est 21h sur Vive FM. Merci à toi Alan pour le Urban Hit à l'instant. Merci à vous tous d'être à l'écoute, merci à vous toutes d'être à l'écoute. On va vous présenter l'Interview Street hein, comme d'habitude. C'est une émission qui se déroule en trois parties avec première partie, partie interview. Ensuite on aura le jeu du si pas bien, un jeu du si pas bien qui risquerait d'être corsé aujourd'hui. Ensuite nous aurons la partie anecdote, voyage. Voilà, donc l'invité qu'on a aujourd'hui nous parlera tout simplement d'une petite anecdote, d'un anecdote ou d'un petit voyage qu'il ou elle a fait en lien avec la musique. Ensuite on aura le j'aime ou j'aime pas. Là c'est simple, j'expliquerai les règles un peu plus tard. Voilà, on laisse un petit peu de suspense. Ensuite, troisième partie, c'est la partie chantée. Voilà, donc l'artiste qu'on reçoit nous chantera deux morceaux aujourd'hui. Deux morceaux à elle et non pas deux covers. Je vous explique pourquoi, parce que c'est une personne qui est multi-chanson et multi-style. Donc voilà, en général, dans l'Interview Street, on aime bien que les artistes essayent un petit peu tous les styles, du français à l'anglais, machin, en passant par un petit peu toutes les langues. Et bah là, pour le coup, c'est une artiste qui est multi-style, mais ce qui est cool, c'est que c'est ses propres chansons. Donc voilà, ça va être assez sympa. Ensuite, partie réseaux sociaux, voilà, où l'artiste qu'on reçoit nous donnera ses réseaux sociaux, où on peut la suivre, où on peut l'écouter également musicalement. Et ben, merci à vous d'être là. Installez-vous dans votre petit fauteuil ou dans votre petite voiture en rentrant chez vous du taf. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça se passe sur le compte Aurélien-FR-du-bas, également sur le compte L'Interview Street. Hein, et pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à l'émission, ça se passe pareil sur Instagram, l'Interview Street, ou sur WhatsApp au 07 74 14 86 52. Aujourd'hui, l'artiste qu'on reçoit, c'est une artiste aux 35 000 abonnés sur Instagram, une artiste populaire en région parisienne, en tout cas populaire dans son combat. Et son combat, on va l'évoquer tout de suite, c'est, alors si mes souvenirs sont bons, c'est par rapport à l'égalité homme-femme. Salut Rachel, salut à toi. Salut, merci Aurélien, merci de me recevoir, ça fait super plaisir. Merci Noyon aussi, franchement, je connaissais pas, ville très sympathique, donc merci beaucoup. Voilà, donc le studio, effectivement, studio VFM sur Noyon, voilà. Donc effectivement, à la cool. Là on est en direct, hein, on est vraiment en direct, 21h02. Envoyez-moi vos petits messages hein, sur Instagram, Aurélien-du-bas, FR-du-bas, comme ça on sait un petit peu ce que vous faites en écoutant cette émission. Rachel, du coup, bah déjà merci à toi d'être venue, d'avoir fait le déplacement de Paris. Merci. Voilà, tu es venue de Paris. De quel arrondissement de Paris, tiens, tu viens ? Alors moi, je suis du 19e arrondissement, près des buts de Chaumont, Jaurès, tout ça. Ok, donc pour ceux qui connaissent, voilà. Pour les pros de Paris comme moi, on connaît très bien où c'est. Rachel qui vient de base de Dunkerque, c'est ça ? Exactement. Alors pour ceux qui connaissent vraiment, je suis née à Saint-Paul-sur-Mer. C'était à l'hôpital qui était à côté de Cora, voilà. Saint-Paul-sur-Mer. Voilà, Saint-Paul-sur-Mer. Et après, j'ai vécu à Dunkerque. J'ai même fait ma licence là-bas et je suis partie après à Paris pour les études. Incroyable. Donc t'es partie à Paris, j'imagine, après le bac. Non, après la licence. C'est quoi le... En fait, j'ai fait la licence parce qu'en fait, il y a une fac à Dunkerque. Faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai pas été au-delà du brevet. Donc, faut tout m'expliquer, pardon, tu vois. Non, mais t'inquiète, y a pas de. Bah, en fait, en gros, après le bac, j'ai fait une licence de droit à Dunkerque, du coup, pour rester, je restais chez mes parents. Ok. Et donc, c'est à l'ULCO, l'Université Littorale Côte d'Opale du Nord, à Dunkerque. Et par contre. Comment ça va? Ouais, oui, exactement. Donc, ça va bien et tout. Hello. Bah, voilà, on est là. Donc, à Dunkerque, c'était bien le droit. Puis après, je me suis dit, bon, allez, on va partir. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que y a pas de master à Dunkerque. Genre, ça s'arrête à la licence. Okay. Donc du coup, après, je suis partie pour le master à Paris. Et voilà, c'est pour ça que maintenant, je suis à Paris. Qu'est-ce que tu préfères entre le Nord et la région parisienne ? En fait, c'est
le Nord, tu vois, je suis hyper attachée parce que mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, ils sont... Enfin, maintenant, ils sont plus là-bas, mais on vient tous de là. J'ai grandi là-bas. Enfin, Dunkerque, c'est quand même pas mal, tu vois. T'as la mer, t'as le centre-ville, il est sympa. Enfin, j'ai tous mes souvenirs. Je pense qu'on est toujours attachés... Si ça s'est bien passé, on est quand même assez attachés, je pense, à l'endroit où on a grandi, où on a vécu. Mais Paris, il y a plein de trucs bien. Enfin, en termes de sortie, de culture, t'as plein de trucs aussi. Donc, je suis attachée aux deux. Enfin, là, je suis un peu entre les deux. Je pense que je serai. Enfin, ouais, pour l'instant, ça, c'est ça. Mon cœur est un peu entre les deux. La vie Paris. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, Paris, c'est cool. Enfin, puis c'est marrant. Enfin, quand ça fait un peu l'aventure, tu vois, quand tu quittes Dunkerque pour aller à Paris, ça fait un peu l'aventure, quoi. Mais du coup, ça veut dire que c'est. Enfin. Entre guillemets, bon voilà, on va pas parler. C'est tragique quand même parce qu'en fait t'as perdu entre guillemets tous tes amis d'enfance. Vous voyez quand même un petit peu ouais, sur Paris. Alors c'est ça qui était bien, c'est qu'en fait quand je suis partie à Paris, j'ai une de mes meilleures amies qui a aussi eu un master à Paris. Enfin, dans le 9-3, je crois, mais bon, c'est pour moi. 9-3, oui. Voilà, pour moi, c'est pareil. c'est Île-de-France, tu vois. Donc, du coup, pour rire, on se disait, vas-y, toi, t'es du ghetto et tout. Mais en vrai, non, pas du tout. C'est très bien, tu vois. Ah, le 19e, c'est le ghetto aussi, hein. Ouais, non, ça va, tu vois. Et du coup, on était toutes les deux pas loin. Donc, ça nous a permis de nous voir sur Paris. Donc, ça a permis de rester un peu en contact. Là, cette année, c'est vrai que j'ai plus du tout, mes amis d'enfance, enfin, ma pote, du coup, elle est plus sur Paris. Mmh. Mais bon, en vrai, ça va sur Paris. Tu te fais à la fac, je me suis fait d'autres amis, donc ça va. En fait, à Paris, t'as beaucoup de gens qui viennent pas de Paris finalement. Et ta meilleure amie, elle est retournée sur Dunkerque. Excuse-moi, je t'oblige de la faire. Non, elle est plus sur Dunkerque maintenant. Et mes amis proches, par contre, j'ai pas mal de mes amis proches qui sont restés dans le Nord. Et donc, dès que je remonte dans le Nord, j'essaye de les voir. On essaye de se voir un maximum, mais c'est pas évident avec les emplois du temps de chacun. Mais on essaye de garder contact. Voilà, donc ça c'était. La vie d'enfance de Rachel, voilà, on va dire, le vie nordiste. Après, elle est partie sur Paris et maintenant, on la voit là ici dans l'interview street, hein, quand même. Ah, quelle chance. Oui, quelle chance, franchement. Merci. Écoute, Rachel, parlons de la musique. Parlons maintenant de la musique. Yes. Comment est-ce que la musique, c'est une idée qui t'est venue? Est-ce que ça t'est venu depuis petite ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Alors ça, c'est assez marrant parce que, en gros, quand mes parents ont déménagé vraiment sur Dunkerque centre, apparemment, enfin, on est emménagé dans un appartement, il y avait un petit balcon. On a un balcon dans l'appart et apparemment je chantais toujours la même chanson sur le balcon. C'était quoi? Et ben juste impossible de te dire. Apparemment c'était un truc un peu comme ça parlait d'un bateau. Je sais pas si c'est un truc que j'ai entendu à l'école ou je sais pas quoi. Mais voilà, la fille hyper intéressante, la gamine hyper intéressante qui chante toujours la même chanson sur le balcon. Du coup mes parents ils se sont dit oula sur ouais. L'eau. Ouais, nage. En vrai ça devait être un truc de ce style vraiment pas ouf. Je pense que mes parents ils se sont dit oula celle-là il faut lui faire quelque chose parce que elle nous saoule. Il faut qu'elle se diversifie un petit peu. Mais est-ce qu'ils se seraient pas dit elle a une voix de ouf? Non, je pense pas. Non, vraiment, je pense pas parce que c'est voix d'enfant, un peu gamine. Mais parce que même la voisine en a parlé. Même la voisine a dit, elle chante toujours la même chanson quand même. Donc je pense, je devais saouler tout le voisinage. Et du au moins ils avaient pas besoin de boire. Tu vois, c'était déjà des alcooliques naturels. Ça, je sais pas. Oui, c'est vrai. Si je les, c'est vrai. Ne buvez pas. Écoutez-moi et vous serez saoulés. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, en plus, tu vas nous faire une musique qui parle d'alcool. Hein, oui, ouais, voilà. C'est ouais. Bah écoute, dans les chansons à chanter. Exactement. Mais du coup, donc voilà. Et en fait, après, mon père avait un synthé de piano. Et du coup, je le voyais jouer sur son synthé. Et ça m'a trop de. Enfin, tu vois, quand tu vois tes parents faire un truc, je pense que t'as envie de les imiter. Et du coup, je me suis dit, je leur ai dit, j'ai trop envie de faire du piano et tout. Et du coup, heureusement, il y a une école de musique qui était pas loin de chez nous. Et donc, mes parents m'ont inscrit là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé vers 7 ans, quoi, en gros. 7 ans? Ah ouais, effectivement, ouais. T'as commencé jeune. Ouais, et après, du coup, j'imagine, on va dire, le chemin s'est construit, cours de chant, etc. Alors, j'ai fait. C'est marrant parce que j'avais regardé l'interview de la précédente chanteuse. J'ai un peu le même parcours, c'est assez marrant. C'est-à-dire, j'ai commencé par le piano. Et comme elle, après, j'ai fait de la chorale aussi. Ah, Louise? Ouais, Louise, exactement. Et après, j'ai fait de la chorale. T'embrasse, Louise. On t'embrasse, exactement. Et du coup, voilà. Donc, c'est marrant, j'ai un peu le même parcours, quoi. Sur la musique, en tout cas. Incroyable. Et du coup, derrière, t'as fait d'autres choses, genre le théâtre ou des trucs comme ça? Alors, non, pas quand j'étais au lycée, tout ça. Par contre, c'est marrant parce que du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai toujours voulu essayer le théâtre. Et du coup, j'ai commencé le théâtre l'année dernière. Et là, j'ai continué cette année. Et c'est cool. Je suis pas...
pas une pro, hein, mais c'est sympa et ça. Si tu veux, bah moi, ça, ben, je pense comme beaucoup de monde, parler à l'oral, c'est pas toujours évident. On peut être un peu timide et le théâtre, pour ça, ça aide beaucoup à poser sa voix, à parler et tout. Pour la posture aussi, donc c'est vraiment cool. Effectivement. Toi, Rachel, justement, du genre timide, pour le coup, on en a échangé aussi longuement au téléphone, ouais, avant de faire l'interview ensemble. Très timide, ça rejoint ma question, la question qui va suivre. Est-ce que toi, justement, en tant que personne timide, tu as déjà fait des scènes? Alors oui, donc déjà, enfin, avec la chorale, du coup, on faisait des petits concerts. Au piano aussi, il y a des concerts qui sont organisés par l'école de musique. J'ai fait un peu de jazz aussi, donc en piano jazz, j'avais fait pas mal de concerts. Mais en fait, par contre, en chant toute seule, j'ai fait mon premier concert l'année dernière, vraiment en mode Rachel au piano. Ah oui, parce que c'est ton pseudo, hein, Rachel au piano. Ouais, ouais, c'est. D'où vient? Non, tu me diras après, viens. Réponds à la question là et tu diras après. Pas de souci. Du coup, donc j'ai fait un premier concert tout seul et en fait, étrangement, j'étais plus stressée par le côté son. Enfin, moi, c'est le côté technique qui me stresse beaucoup, dans le sens là, c'était le côté ingé son. Est-ce que ça va bien sonner? Est-ce que ça va marcher? Enfin, c'est plus ça qui me stressait pas mal. Après, moi, il y a toujours le petit stress des paroles, hein, parce que j'ai pas, ça m'arrive d'avoir des trous. Mais bon, l'année dernière, ça s'est bien passé. Là, donc voilà. Mais sinon, une fois que t'es lancé, en fait, t'essayes de rester concentré dans ce que tu fais, t'essayes de faire un truc qui sonne pas trop mal. Et le fait d'être concentré, ça peut te déstresser un petit peu. Mais j'ai toujours un mini stress, ça c'est sûr. Tu veux que je te raconte ma vie un petit peu pour Oui, avec plaisir. Allez, vas-y, je te raconte quelques secondes de ma vie. Tu veux savoir ce qui me stresse, moi? Vas-y. Dis-moi. C'est quand je casse mon téléphone et que je suis quasiment pas du tout sûr de pouvoir faire l'interview. Ouais, parce ça que, je comprends. Parce que pour expliquer un peu à nos auditeurs, alors la semaine dernière, donc mardi dernier, donc il y a maintenant une semaine pile poil, j'ai même pas pu écouter mon interview en direct. C'est quand même dingue ça. J'ai pas pu l'écouter parce que la semaine dernière on était en émission best of, tout simplement parce que. Pour des problèmes, problèmes perso. Et ce jour-là, en fait, il s'agit qu'il y a eu un best-of parce que j'ai cassé mon téléphone. Voilà, j'ai cassé mon téléphone et du coup, j'ai vraiment fait tous les magasins de Soissons, parce qu'en ce moment, je suis à Soissons. J'ai fait vraiment tous les magasins de Soissons pour essayer de retrouver un téléphone, pour être absolument présent pour cette interview. Donc, je vous le dis, franchement, pour recevoir Rachel, j'ai vraiment donné des pieds et des mains. Ouais, donc voilà, je suis présent aujourd'hui et vraiment très honoré. Franchement, merci, hein, ça fait plaisir. Avec plaisir, ouais. Merci à toi. Non mais je confirme, même Aurélien a risqué sa vie, je confirme. Ah oui, c'est vrai, putain, oui, on peut pas dire pourquoi, mais... J'ai risqué ma vie avant de venir ici. Ouais, là, il est là, oups, je me suis cogné tellement, vraiment, c'est formidable. Voilà. Rachel, du coup, pourquoi Rachel au piano? Eh ben, alors je suis désolée, ça va décevoir tout le monde, mais il n'y a pas une vraie raison derrière. C'est juste que c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'aime bien ce prénom, j'ai toujours aimé ce prénom. Je me suis dit, je sais pas, à un moment quand j'étais plus jeune, je me disais, ah, si j'ai une fille, je l'appellerai Rachel. Et du coup, je voulais pas mettre mon vrai prénom pareil. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je me suis dit, vas-y, Rachel, j'aime beaucoup ce prénom. Donc allez, go. On prend ce prénom. Et ça s'est fait un peu au hasard parce qu'en fait, j'ai commencé en mettant sur TikTok au départ. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'avais un compte qui s'appelait Rachel au piano. Et parce que comme je disais, j'aimais bien le prénom Rachel et j'ai posté là-dessus et j'ai continué à poster là-dessus. Ensuite, j'ai créé l'Instagram en reprenant le même pseudo. C'est vraiment pour ça. Donc, je suis désolée, c'est hyper décevant. C'est vraiment pas d'anecdote. Désolée. Moi, je comprends pas pourquoi Rachel au piano alors que ça devrait être genre Rachel la chanteuse. Parce que, en fait, sur ton Insta, c'est drôle parce qu'on voit tout sauf du piano. Quasiment. Pas beaucoup. Bah, en vrai, au début, il y en avait plus. Et c'est vrai qu'après, j'en ai fait un peu moins parce que après, j'ai essayé de faire plus d'instru. Mais je vais en remettre d'autres là avec du piano, mais oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, je trouve ça rigolo un peu de mettre Rachel au piano à côté. Et je me dis, bon, bah maintenant que c'est là, je vais pas changer. Mais au début, à la base, c'était plutôt vraiment des vidéos piano-voix, enfin des reels ou des TikTok piano-voix. Et après, c'est vrai que maintenant c'est un peu moins. Ouais, c'est grave dommage parce que le piano, malheureusement, on peut pas l'installer dans la pièce, trop petit ce studio. C'est ça. Voilà, si je peux faire un petit message à Axel, notre président, essaye de taper les murs et de les faire tomber pour qu'on puisse
bien accueillir les artistes et leur mettre un gros piano dans le truc. voilà quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. J'avoue, c'est abusé. Non, j'ai failli faire demi-tour. Elle a failli prendre le train retour alors qu'elle a payé 20 balles. Ouais, non, non. Je pense que c'est l'argent qui a dû te désorienter et te laisser venir quand même faire cette interview. Ouais, c'est ça. Je suis maintenant, non, j'ai payé, c'est bon, je reste. Quoi. Ouais, c'est... ouais, pas le choix, Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Hein. C'est bon, j'ai payé, je reste. C'est ça, pas le choix, malheureusement. C'est comme le cinéma, il y a plein de gens, j'entends plein de gens qui disent, tu vois, le film est nul, il se barre en plein milieu du film. Je sais pas si toi, tu es ce genre de personne. Ah ouais, ouais. Et moi, ben, je vais juste pas au cinéma, gros, je suis aveugle. Pourquoi j'irai voir les films? Yes, c'est vrai, oui. Ouais. Ça, je vais faire gaffe sur gaffe, j'oublie tout le temps. C'est tellement drôle. C'est... Ouais, je vais faire. Enfin, bon, bref, mais du coup. J'y peux rien, je suis un ivoirien. Voilà, voilà. Non, mais oui, oui. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? Moi, j'y peux rien, bordel de merde. La vida como así, comme on dit en espagnol. C'est ça. Je parle pas non plus espagnol, tu sais. Eh ben, moi non plus. J'ai fait allemand au collège, mais c'est pas pourquoi, grave. Pourquoi tu fais la meuf alors? Je sais pas. C'est plus stylé. C'est plus stylé espagnol. En fait, je sais pas le dire en allemand, ça, donc je me dis bon. Ah, je t'occupe une niche. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et ouais. Non, mais je sais plus. Oui, mais voilà. Enfin, bref, ça pour dire que les gens qui partent en plein milieu du film au cinéma parce que le film est nul, sachez que moi, j'ai cette philosophie, j'ai payé. Je reste jusqu'au bout du film. Ah, la crevarde. Ah, vraiment, bref. Mais je me dis, j'ai payé, je reste, même si c'est 3 heures et que c'est pas bien, bah, je reste. La meuf, c'est une pince. Je suis sûr, même une mouche, elle te l'offre pas, quoi. C'est quand même dingue. Elle préfère garder la mouche dans ses cheveux plutôt que de dire, tiens, vas-y, prends-la. Mais non, non, mais après, c'est... Ouais, je sais pas, non, mais j'avoue, voilà, tout ça pour dire, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que j'ai le train, et voilà. Non, non, c'est pas complètement connasse, faux, complètement faux. Vas-y, vas-y, on en parlera. Toi et moi, on va faire un octogone à la fin de cette émission, ça sera filmé en vidéo live sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Rachel, parlons plus, beaucoup plus sérieux cette fois. Ouais. Voilà. Oui. Là, on se détend, on se pose, on arrête de rire, et on écoute tranquillement l'interview street, tous les mardis à 21h sur Vive FM. Rachel, tu fais un combat en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le droit d'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'être lancé dans ce combat-là? Parce que c'est un combat qui est très compliqué, hein, un combat que pas grand monde n'arrive à comprendre, on va pas se mentir. Enfin, si, enfin, quand je dis n'arrive pas à comprendre, c'est toutes les femmes ne comprennent pas pourquoi, nanana, nanana. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu l'envie de te lancer dans ce combat? Alors en fait, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune au lycée, c'était pas forcément... Enfin, tu vois, même le mot... Enfin, je faisais partie un peu de ces personnes qui disaient, ouais, le mot féminisme, je sais pas si je me définis comme féministe. Et en fait, c'est à la fac, notamment une amie à moi que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a un peu fait découvrir... Enfin, c'est à la fac aussi que tu rencontres d'autres gens. Comment elle s'appelle? Dis-nous son Lola, prénom. Lola. Attends, on se fait pas ta crevarde jusqu'au bout. Pardon. Jusqu'au bout, elle fait sa crevarde, la meuf. Non mais, pardon. Je te jure, Big up Lola, ouais, vraiment, qui m'a emmenée à ma première manif féministe, c'était pour la marche du 8 mars, c'était l'année juste avant le Covid, en 2020, et, mais après c'est aussi en me documentant moi-même, en regardant des documentaires, en vivant des choses aussi, en vivant des expériences, bon moi par exemple j'ai fait, enfin, par exemple, même des fois dans ma famille où j'ai des choses, je me dis mais c'est pas normal juste parce que je suis une fille, j'ai ça, ou quoi que ce soit, enfin, et donc c'est les expériences de la vie, des rencontres, où je me suis dit mais en fait il y a plein de choses qui vont pas, qui sont pas normales, et après ça s'est exprimé en musique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as toi-même déjà vécu ce genre de choses, parce que tu parles aussi pas mal de violence, de violence faite aux femmes. J'imagine que forcément si ça te touche à ce point, c'est que tu en as déjà subi également. Alors moi ce que, enfin je pense comme beaucoup, ce que j'ai pu subir, c'est des remarques dans la rue, tu marches et t'en as un qui t'as quelqu'un qui te dit hey, jolie, enfin, ou des trucs comme ça. Mais ça, je pense beaucoup de femmes, enfin dans les statistiques c'est quand même 9 femmes sur 10. Bah même la plupart des femmes reçoivent des dick pics, hein, donc voilà, ouais, exactement, les trucs comme ça. Donc ça c'est des choses que tu vis, enfin quand t'es une femme tu vas le vivre, hein. Et ça aussi il faut bien faire disparaître les clichés, peu importe la tenue que tu portes, hein. Enfin moi des fois j'ai été habillée comme un sac, enfin quand je dis comme un sac c'est à dire grosse doudoune, enfin vraiment pas ouf, et là quand même tu peux quand même te prendre une remarque ou un regard ou des trucs qui sont pas... Parce que oui, pareil, il y en a, ils vont te dire, ah mais un regard, il n'y a rien. Mais il y a vraiment des regards qui en disent long sur ce qu'il y a sur la pensée qu'il y a derrière. Et donc c'est des expériences comme ça. Après moi, dans mes amis ou dans des gens que je connais,
je connais des gens qui ont pu subir des violences ou des tentatives de violence. Et puis après, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte à quel point le combat n'est pas du tout gagné. Alors, on peut se réjouir de certaines avancées, notamment législatives, des avancées... là, par exemple, récemment, l'inscription dans la Constitution de tel droit. Mais en vérité, quand on regarde les faits dans la rue, dans la vie, c'est pas encore gagné, quoi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Mmh. Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose qui te fait peur pour l'avenir, en mode, est-ce que c'est pour ça que tu te dis, ouais, j'ai pas envie de sortir avec un gars ou des trucs comme ça ? Est-ce que ça, toi, ça te pose des questions, justement, par rapport à ta vie personnelle ? Non, pas tellement. Enfin... en fait, c'est forcément, tu peux y penser, tu dis mince, si je me mets avec quelqu'un, est-ce que cette personne elle va être violente ? Je pense on y pense, on se dit mince, en vrai, on connaît jamais vraiment les gens. Mais non, moi j'essaye de pas trop, enfin, t'y penses un petit peu, mais après tu vis quand même, et je pense que quand ça t'arrive, de toute façon, les personnes à qui c'est arrivé, qui sont victimes de violences conjugales, je pense pas que tu te le dis dès le début de la relation, ça vient après malheureusement, donc mais non, enfin, au début, t'y penses pas. Et après, c'est sûr. C'est plus comment tu vas réagir si ça t'arrive. C'est plus ça. Est-ce que tu auras le soutien de ta famille, de tes amis ? Je pense que c'est ça. C'est aussi ça, les questions. Comment je vais pouvoir supporter ça ? Est-ce qu'on peut le supporter ? Enfin, c'est plus des questions comme ça. Après, je pense que la famille, les amis, en général, ils soutiennent. Moi, je sais que si demain, ça arrive, même si ça t'arrive à toi, hein, quelqu'un vient, il tape, j'y vais, je le plante à coup de couteau ou je lui tire un coup de 9 mm dans la gueule, je m'en bats les... Non, ouais. Mais en vrai, ouais. Parce que... Enfin, en soi, que ce soit... Excusez-moi pour le petit clair au passage. Non, que ce soit violence faite aux femmes ou violence faite aux hommes, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, oui, genre, ça déconne cette console, ça me rend fou. Oh là là, non, mais pour les coulisses, en fait, j'essaie d'appuyer 20 000 fois à chaque fois sur le bouton pour relancer. Alors, c'est les conditions du direct. Hein. Oui, ouais. On appuie 20 000 fois pour relancer, ça marche pas. Bon, bref. Que ce soit les violences faites aux femmes ou les violences faites aux hommes, c'est la même chose, en fait. Tu vois, c'est le même schéma. Hein. C'est une domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est abuser de la confiance de l'autre, des sentiments. En fait, c'est jouer avec les sentiments aussi. Parce que il y a pas très longtemps, j'ai eu un témoignage. Bon, c'était sur Instagram en privé. C'était juste après, l'interview de Louise que j'embrasse, qui est passée il y a quelques semaines dans l'émission. En fait, j'ai eu un message d'un gars. Qui m'écrivait et qui me disait moi en fait j'ai ma femme qui me tape dessus, qui me met souvent des gifles et des coups de poing. Or ce type fait littéralement 1m95 et 120 kilos, tu vois. Donc ça veut dire que ce mec là clairement, tu vois, s'il répond, la meuf il l'allonge. Et en fait il demandait des conseils et moi je savais pas comment, tu vois, je savais pas trop quoi lui répondre. Moi je lui ai dit la gendarmerie porte plainte. Et ce qu'il me dit, attention, parce que dans sa réponse, en fait, il y a tout, c'est faux, en fait, tu vois. Il y a tout qui concorde pas dans sa réponse. Il me dit, je suis un homme, donc j'ai peur. Enfin, en gros, tu sais, j'ai une fierté et donc je vais pas aller porter plainte. Bien sûr que si. C'est pas parce que t'as un homme, tu te fais taper. Il y a aucune honte à aller porter plainte, tu vois, aucune. Et même si t'es une femme, t'écoutes cette émission ce soir, t'es victime de violence conjugale, mais va voir les keufs. En fait, c'est ça qui est hyper important. Mais en fait, c'est très dur parce que c'est ça qui est dingue avec les violences de manière générale, c'est que c'est la victime souvent qui a honte. Et là, c'est aussi ça l'idée. Il faut en parler pour que la honte change de camp. Et puis ils savent très bien manipuler, ces mecs-là. Exactement, c'est des gens qui savent manipuler. Et en fait, il faut aller porter plainte. Alors évidemment, il y en a qui vont... il faut vraiment aller porter plainte, il faut en parler. Il y a aussi des... Même, si vous voulez... Il y a des cellules d'écoute aussi. Exactement, il y a des cellules d'écoute, il y a des numéros que vous pouvez appeler. Et il faut le signaler, il ne faut pas rester seul. On ne peut pas gérer ça tout seul, c'est impossible. Impossible. Il faut en parler. Mais pour tout, hein, même pour le harcèlement scolaire, même les jeunes, si vous êtes victime de harcèlement scolaire, de harcèlement au travail, peu importe. Il faut en parler. De toute façon, c'est simple, vous allez sur le site... gouv.fr et vous allez trouver toutes les informations, vous avez tout ce qu'il faut. Et dans le pire des cas, si vraiment ça devient insupportable, là, faut appeler les flics. Il faut aller porter plainte, il faut faire valoir ses droits parce que il faut se faire respecter. On est des êtres humains, on a le droit au respect. Et c'est pas vous le problème. Et on n'a pas à traiter quelqu'un comme ça, homme ou femme, enfin peu importe. Homme, femme, animaux. Peu importe comment vous
vous identifier, on n'a pas à être traité comme ça. Et donc, ce n'est pas de votre faute, ça aussi, je pense. C'est important de le rappeler parce que les gens... Enfin, je sais que quand on regarde les témoignages, on a beaucoup qui vont dire « Ah ouais, mais c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai dit ça. » Non, 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 non. Il n'y a rien qui justifie la violence physique et même verbale. Donc, non, non. Vraiment, il faut en parler. Parlez-en et n'ayez pas honte. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous. Et même si vous êtes enfant et que vous êtes victime de violences conjugales, parce que on parle beaucoup de la violence homme-femme et femme-homme, mais on parle rarement de la violence des parents en fait envers les enfants, parce que c'est quelque chose malheureusement je connais. Donc n'hésitez pas à aller voir votre proviseur, votre assistante sociale au collège, votre assistante sociale même en primaire. Ils prendront votre témoignage en compte et ils feront le nécessaire. Moi, je sais qu'on a fait le nécessaire pour moi, donc on le fera aussi pour vous. Et c'est pas non plus une honte de dire voilà, je me fais taper par mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, rien n'est une honte. En ce qui concerne la violence, tout ce qui est de la violence, il n'y a pas de honte à aller dénoncer. Par contre, si vous répondez, là oui, par contre, là vous pouvez avoir honte. Pour ceux qui répondent, pour moi, ils peuvent avoir honte. Après, ça dépend. Si c'est une réponse légitime en mode t'es quasiment à deux doigts de mourir, machin, bon là, effectivement, tu réponds. Sauf que ceux qui sont pas à deux doigts de mourir, et notamment les grands colosses, n'allez pas répondre. Vous allez vous porter plainte, c'est bon, frère, y a aucune fierté à avoir. C'est pas parce que tu viens d'une cité du 93 ou que tu viens d'Amiens ou que tu viens de je sais pas où, il y a pas de honte à aller porter plainte. C'est juste quelque chose de normal. T'es pas une balance parce que tu vas déposer plainte ou t'es pas une victime parce que tu vas porter plainte. Parce que pour moi, ces personnes-là, faut pas les qualifier de victimes, tu vois. C'est pas non plus, enfin, évidemment, c'est pas des coupables, mais c'est pas des victimes, tu vois. C'est des personnes, voilà, juste ils sont tombés sur la mauvaise personne, ils sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit, sur la mauvaise personne, c'est tout. Oui, c'est ça. T'es pas une victime si tu vas porter plainte. En fait, et même si parce que victime, c'est vu comme un mot. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est le mot victime. Et enfin, on dit beaucoup ça, hein, si là tu te victimises, machin. Ouais, en fait, on a connoté. Victime est vu comme quelque chose de mauvais. Exactement. On a connoté le mot victime à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, pourquoi ce serait une honte de dire bah oui je suis victime de ça, alors que non, c'est vraiment cette idée là et c'est les combats que voilà, il faut faire changer la honte de camp et redéfinir le sens des mots. Victime, ça, ce mot là le mot victime, ça, hyper c'est un truc que t'entends beaucoup dans les cours de collège. T'es victime, des trucs comme ça. Mais le mot victime, à la base, le mot victime, c'est quelqu'un voilà qui juste n'ose pas, par exemple, rendre les coups. Tu n'oses pas rendre les coups, bah t'es victime, mais tu n'es pas une victime. Tu es victime. Ouais, même sans oser rendre les coups. C'est-à-dire, à partir du moment où tu subis une agression, oui, tu es victime, mais victime dans un sens aussi légal, enfin, au sens du droit. C'est-à-dire que si tu as subi quelque chose, tu as le droit de faire valoir tes droits. Enfin, c'est ça, en fait, l'idée. Exactement. Donc, victime, c'est aussi, il faut plus le voir comme un terme qui te permet de te défendre sans rendre les coups toi-même physiquement. Et ça, c'est hyper important. Enfin, même, c'est ça qui est dingue, c'est que des fois, ça peut se retourner contre vous. Si on vous frappe et que vous rendez les coups, c'est vous qui prenez tout. C'est ça, si c'est pas considéré comme de la légitime défense, ça peut. Et généralement, c'est très rarement considéré comme de la légitime défense. Pour avoir de la légitime défense en France, bon, toi, t'es en droit, donc tu vas pouvoir peut-être m'en dire plus. Pas en droit pénal. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Ouais, disons, En tout cas, vraiment, il faut en parler et aller porter plainte. Mais ça, c'est toujours. C'est le problème, c'est que c'est toujours facile à dire et on sait à quel point. Psychologiquement, ça peut être très quand on est sous l'emprise de quelqu'un, enfin par exemple quand on parlait des violences conjugales, quand on est sous l'emprise, on est sous une emprise, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est très difficile d'en sortir et de parler, mais vraiment il faut, enfin on le dira jamais. C'est l'amour qui compte. Hein. Et oui, il y a évidemment l'amour. Le côté sentimental aussi qui fait que à tout moment, même moi, à tout moment, je peux très bien me dire ouais, mais. Ok, elle est violente avec moi, mais je l'aime, tu vois. C'est souvent. Quand on aime, on pardonne. Donc, c'est. Et on encore aime une fois, ils savent l'autre. Très bien faire. Ouais, ouais. Et parce qu'ils viennent dans tes bras. Excuse-moi. Ouais. Et puis en fait, deux secondes après, c'est. Bah, tu te reprends une tarniole dans la gueule. Et c'est pour ça, ce n'est jamais de votre faute. Parce que. On a ces trucs-là, genre par exemple, je sais pas, tu es victime d'une violence parce qu'il va te dire ou elle va te dire t'as fait tomber le pot par terre. Je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu dis c'est ma faute, j'ai fait tomber le pot par terre. Non, en fait, dès qu'il va, la personne va trouver toujours quelque chose pour justifier sa violence, mais il n'y a rien à justifier. Non, puis là, on va parler un petit peu, on va passer en mode SVT. Ouais. La terre, elle attire ce qui tombe, ça veut dire. Ce qui tombe, dans ces cas-là, tape la terre. Tu vois ? Tape du pied par terre. Tape du pied par terre, tu tapes le sol si tu veux, mais tu tapes pas la personne que t'es censé avoir dans ton cœur. Aimer, avec qui tu as peut-être fait des enfants, avec qui tu fais l'amour tous les soirs quand tu vas dans ton lit.
Frérot, une femme, c'est pas un vide-couille, tu vois. Non, mais faut dire ce qui est. C'est pas un vide-couille. La personne, si tu l'aimes, tu l'aimes du début à la fin, mais tu vas pas venir la taper parce qu'elle a fait tomber un pot de confiture. Dans ces cas-là, comme je te dis, tape le sol. Ouais, ouais, non, merde. Mais de toute façon, je pense que c'est. Mais même les personnes qui sont violentes, je pense que. Faut aller se soigner aussi, enfin peut-être dans l'autre sens aussi. Je sais pas si je pense qu'il faut aussi avoir une prise de conscience dans, moi, le dans sens. Les deux est-ce sens que c'est récurable, je sais pas, mais dans les deux sens faut du soin parce que la personne qui a subi la violence elle va avoir besoin de soins pour s'en remettre et l'autre il va avoir besoin de soins pour se remettre pour en se question, remettre aussi voilà tu vois et je pense que il mériterait bien de la tôle cela bah ouais en fait, de toute façon quand on sachez-le aussi si vous violentez quelqu'un vous risquez une condamnation pénale donc et c'est normal parce qu'on a pas le droit enfin ma liberté commence là où s'arrête celle des autres c'est bien on n'a pas le droit de faire subir à qui que ce soit des violences. Et moi, je vous le dis ouvertement, comme c'est la fin de ce sujet et que si vous êtes violent, barrez-vous de cette émission. Ouais. Voilà, changez de station, allez sur Shalom FM ou je sais pas quoi, là, mais barrez-vous d'ici. Voilà. Vous n'êtes pas les bienvenus. En tout cas, si jamais vous avez ou essayez d'avoir cette prise de conscience, et enfin, moi, j'ai tendance à dire allez voir quelqu'un, allez consulter. J'ai pas d'exemple, mais je pense que si on peut changer et si on prend conscience et aller voir un psy. De toute façon, je me souviens, j'avais une prof d'anglais qui nous avait dit on devrait tous aller... Alors, dis-le en anglais. Fou, là, you should all see a psy. J'avais une prof d'anglais qui nous avait dit ça en cours. Vous devriez tous aller voir un psy. Je sais pas si elle parlait de nous ou de l'humain en général, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on devrait tous aller consulter. Ouais, franchement, donc, ouais. Ouais, franchement, donc... Surtout moi, hein, tu sais que j'ai pas tous les étages... Tout le monde, on a tous une araignée au plafond, je crois. Non, mais là, c'est même plus une araignée, moi, c'est Miguel. Hein. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on est à peu près pareil là-dessus. Ouais, voilà, on est tous fous, bonjour. Bah, toi et moi, on s'entend particulièrement bien. Donc je pense qu'on a un peu le même problème au cerveau. Ouais. On est du Nord. on est du Nord. Mais je suis pas de Dunkerque, mais c'est pas loin. Je suis en quelques heures de voiture. C'est en dessous de Paris, quoi. Au-dessus. Oui, tu vois, toi, t'as le cerveau qui est inversé. Ah oui, c'est pour toi le sud c'est le nord, et le nord c'est le sud. Bah ouais. Incroyable. Écoute, c'est possible. J'aimerais bien voir le soleil de Perpignan là. Bah on l'a presque eu, hein. On a eu quelques pluies, un peu de la grêle, mais ça va. Surtout ce week-end. C'était, ouais. Toi t'es à Paris, je suis à Paris donc c'était plutôt pas mal. Non, je vais arrêter de faire ça, moi ça me va pas du tout. Mais ouais, ce week-end on a eu, surtout samedi, on a eu des grêles, des trucs. J'étais sur Soissons, j'ai voulu bouger, j'ai eu un orage. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux à partir de demain ou après-demain. J'ai pas vu la météo, je vous avoue, je regarde pas ce truc. Ah. Mais on verra. Hein. Ouais. Force, il a beaucoup plu et tout, force aux agriculteurs, à tous les gens dans le. Bah justement, les agriculteurs, ils sont contents. Hein, parce que Miskin, avec les terres qui sont totalement sèches là. Ouais, dans le sud, mais dans le nord, il y avait eu les. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu toutes les terres qui étaient inondées. Ouais. C'était chaud. Hein, donc force à tous les. Genre mon père, il travaille dans un. Il parle comme chaud ou pas ? Non, mon père parle. Hein ? Non, bon, ça va. Mais mon père, il travaille dans un lycée agricole et ils ont carrément accueilli des familles parce que leur maison était complètement inondée, quoi. Tu sais que j'avais un lycée à côté de chez moi qui s'appelait lycée agricole, mais je savais même pas que c'était lié à l'agriculture. Ah ouais ? En fait, je sais que par exemple, pour les S, t'as une classe S spéciale où ils étudient plus les matières en lien avec l'agriculture et le monde agricole, quoi. Mais après, j'y connais pas forcément grand chose, mais. Enfin, j'étais pas dans un lycée agricole, j'étais dans le lycée de Dunkerque Jean Bar, pour ceux qui veulent tout savoir. On va aller au lycée Jean Bar. C'est le lycée un peu de Dunkerque, quoi. Enfin, il y en a plusieurs. Mais... Le lycée un peu de Bourges. En vrai, c'est le lycée des. Enfin, il y a plusieurs lycées, mais c'est le lycée des sports, je crois qu'on dit ça. Enfin, c'est un peu comme le collège Guimino, c'était là où tu faisais un peu sport-études. Moi, j'ai pas fait sport-études au lycée, hein, mais c'était le lycée des sports. Est-ce que c'était le genre de prof à être en mode. Oui, madame au piano, je vous regarde, je vous observe. Non, pas du tout, non, c'était... non, c'était plutôt sympa. Là, généralement, les profs de sport, attention, c'est des mesquins. Hein. Les profs de sport, frère. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, parce que du coup, j'ai pas été au-delà du collège, et j'en suis fier, d'ailleurs. Non, mais quand j'étais au collège,
prof de sport. Oui, alors faites des acrobaties, mesdames. Ah ouais, allez. Non, en vrai, ça. Moi, j'avais une prof assez en seconde. Je me souviens, c'était la première fois que je voyais une prof faire ce qu'elle disait de faire. Tu vois, genre elle disait là vous faites, par exemple en acrosport, là vous faites une pirouette, paf, elle te faisait une pirouette. Incroyable. Là vous faites la roue, elle te faisait la roue. Et c'est, du coup, t'avais plus d'excuses. Ça, c'est une vraie passionnée la meuf. Ah oui, mais je te jure, elle faisait plus de sport que nous à son propre coup. Genre à la fin, limite, c'est elle qui devait aller dans les vestiaires changer. Genre nous, t'es en mode bah nous ça va, tu vois. Et genre vraiment, elle était hyper dynamique et incroyable. Comment s'appelle, on l'embrasse? On l'embrasse, elle l'embrasse, elle s'appelait, j'ai un trou, mais on l'embrasse. Ça va me revenir. Madame Tondeur. Voilà. Madame Tondeur. 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 On l'embrasse. Est-ce qu'elle fait la pousse des fois? Ah. Excuse-moi, ça mérite un. Ah. Non, mais c'était drôle, il fallait la faire. Oui, c'était obligé. Surtout moi j'avais des profs, putain, mais surtout, là on va parler un petit peu des cours et tout, c'est intéressant. Ouais. Moi j'avais Madame Longue Épée. Je lui demandais si elle la voulait devant ou derrière. Ouais. Tu l'avais en escrime? Ouais. Non, je l'avais en escrime. En plus, c'est même pas, je l'avais en physique chimie. Et okay. Du coup, donc Madame Longue Épée. Donc du coup, Madame Longue Épée, je lui demandais souvent si elle la voulait devant ou derrière. Mais qu'est-ce que je lui demandais, à ton avis, des fois? Je sais pas. De temps en temps. Je sais pas. Si on parle de Russie. Et avec Longue Épée? Ouais. Je sais pas, moi. J'ai pas. Je lui demandais si elle voulait faire la guerre. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, attendez. Je sais pas, ça lui. Elle rigolait? Non. Combien de fois je me suis fait virer de cours, justement, ouais, par rapport à ça, c'était assez incroyable. Je me suis beaucoup fait virer de cours. Après, j'avais aussi monsieur Colic. Colic? Je lui demandais s'il était Al. Ah. Colic. Bon, ça, c'est. Non. Ouais. Plein de. Et toi, c'est. Les pires noms de profs que t'as eu? Ah, je vais pas les dire, attends, ça se fait pas. Ah, vas-y. Non, je balance pas comme ça. Non, est-ce que t'as déjà eu un monsieur poil? Non, ça j'ai jamais eu. Putain, c'est con, t'as en pas vrai, pu lui faire la blague du poil de cul. Non, mais tu vois, j'aurais pas osé non plus, j'aurais pas trop osé. Ah, moi je l'aurais fait, putain. J'étais tellement un cancre en cours. Ah, ouais. Bon, reprenons le cours de notre émission, Rachel. C'est bon, c'était l'instant professeur. Ouais. Qu'on embrasse. On les embrasse. Et force à vous. Ouais, force à eux, parce que franchement, c'est pas un métier facile. Non, force à vous. Pour avoir été dans vos cours, je sais que c'est pas un métier. Pour tous les profs qui ont eu Aurélien, grosse force à vous. Ah, c'était genre, j'espère que vous n'êtes pas trop battus. Il y en a peut-être un qui s'est déjà suicidé à cause de moi. Oh non, arrête, putain. Aïe. Non, putain, l'horreur, force à vous, non, vraiment. Ah, je te jure, gros big up à vous, en tout cas, les profs. Et merci pour ce que vous nous avez appris, parce que grâce à vous, je fais de la radio. Ah oui, ouais, non, mais ouais. Dire que je suis vraiment une pauvre merde dans la vie, non, je fais de la radio. Mais non, pas du tout. Non, mais en vrai, c'est chacun trouve sa voix, et voilà. Quoi. Oui, ma voix, bonjour, voilà, c'est bonjour. Moi. Ma voix est là, et la voix SNCF, elle est où, déjà? Excuse-moi, je suis en forme aujourd'hui, ouais, je sais pas, ouais, ce qui m'arrive, mais... Bah, écoute, c'est très bien. Rachel, parlons musique un petit peu. Oui. On s'est un petit peu égaré là pendant... Pendant trop longtemps. Pendant 3-4 minutes, mais ouais. C'est 3-4 minutes de trop. Du coup, toi, la musique, donc ça t'est venu, je rappelle, hein, pour ceux qui ont un petit peu l'Alzheimer, ça t'est arrivé donc à l'âge de 7 ans, tu as commencé à faire du piano, mais tu as également, je pense, récemment commencé à faire également du ukulélé, ce que tu dois nous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Le ukulélé, je m'en suis acheté un, je sais même plus, en 2020, un truc comme ça, et un petit moment quand même, mais j'en fais pas, j'en ai fait, j'ai arrêté, enfin tu vois, c'est pas, j'en fais pas autant que le piano ou le reste, enfin, bah, après quand je suis partie à Paris pour les études, c'est plus difficile de faire les deux en même temps en termes de temps. Mais du coup, ouais, le ukulélé, c'est un peu. Je suis pas une pro, hein, vraiment pas du tout. Ça va, franchement, pour t'écouter des fois sur Instagram. Ouais, mais non, c'est pas ça encore. Il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, beaucoup. Faut s'améliorer, quoi. C'est pas encore ça. Mais t'es quand même sacrément doué. Et non, vous allez le voir dans quelques instants dans l'interview street. Oula, je sais pas. Si, en vrai, ça va. Il y a Pierre. Et tu comptes faire des scènes là prochainement? Est-ce que tu as des idées de concerts, des envies de concerts éventuellement? Franchement, j'aimerais beaucoup reprendre faire des concerts cet été. J'aimerais bien un peu comme ce que j'avais fait cet été. J'avais fait un concert dans un bar. J'aimerais bien avec une petite scène ouverte. Ah, ça serait incroyable. Ça. Ouais, et j'aimerais bien refaire ça. Et j'aimerais bien aussi jouer. Dans des assos aussi, des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais en seconde, c'est ça, avec l'école de musique. J'avais pu faire un concert dans une petite représentation dans une maison de retraite
Genre on pouvait jouer un peu de nos instruments dans une maison de retraite et j'avais grave aimé l'expérience. Et ça j'aimerais bien refaire. Ouais, donc tout ce qui est maison de retraite, ça pourrait, c'est vrai que ça pourrait être dark. Ouais, puis enfin en fait c'était un moment hyper beau en termes de partage et c'était marrant parce que t'as vraiment des personnalités hyper différentes, enfin c'est normal, c'est comme les êtres humains quoi, genre. Et mais du coup c'était tu sais, discuter après avec eux, c'était vraiment hyper enrichissant et t'en avais qui avaient fait de la musique aussi, donc attention, ils t'apprennent des trucs de ouf, hein, t'apprends âgées, énormément des autres, en fait t'apprends vraiment des autres, et surtout les personnes âgées c'est quand même exceptionnel. Ils ont toujours des vies de malades, ils ont des romans à te raconter de leur exactement, vie. Exactement, et ils ont des vachement bons conseils aussi sur la vie, vu qu'eux, ils ont vécu plein de choses. Ouais. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'avais beaucoup, je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'expérience. Et... Enfin, de toute façon, la musique, c'est du partage. Hein, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire plus de concerts et partager ensemble, quoi, vivre ce moment ensemble et pas juste dans ma petite chambre. Voilà, quoi. Oui, parce que toi, rappelons-le, hein, en général, tu t'enregistres tout de chez toi. Ouais. Donc c'est tu fais vraiment tout depuis ta chambre. Tu crées tes instrus avec GarageBand, voilà, pour les artistes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ouais, avec GarageBand, t'es aussi Music Magic Maker, ça c'est sur Windows. Je connais pas du tout. C'est un logiciel sur Windows qui, enfin moi, que je trouve pas mal. Après, je suis vraiment pas une pro, hein. C'est un peu avec les moyens du bord. Et mais oui, c'est ça en fait, c'est de la création vraiment dans mon petit appart à Paris, ouais. Quand j'étais chez mes parents dans ma chambre. Et du coup, c'est vrai que c'est très, c'est un petit cocon, c'est-à-dire c'est très entre moi et moi. Et là, j'aimerais bien le partager avec nous. Est-ce que t'as pensé déjà à faire des crochets télévision tels que Starac ou The Voice, ouais. Non, vraiment je pense que c'est pas mon c'est pas mon truc. Mais c'est quoi, je te vois pas là-dedans non plus. Bah j'ai pas trop l'esprit de compétition et je pense vraiment que je n'ai vraiment pas de quoi gagner. Excuse-moi ça va offenser toutes les personnes qui ont fait The Voice, mais t'es ouais non je vais pas le dire ici. Non mais c'est trop hard. Moi je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment très très bons chanteurs, très bonnes interprètes aussi. Moi je pense vraiment pas être c'est pas trop mon truc. Je préfère enfin ouais, c'est vraiment j'ai pas l'esprit de compétition et donc ouais, puis attention hein, derrière pour beaucoup deviennent mauvais ou mauvaises hein, tu vois. Quand je te dis mauvais ou mauvaise, c'est en mode tu sais, ça commence à devenir hautain, ça commence à prendre tu vois, ça je supporte pas ça. Ouais, bah après, c'est dans tous les métiers, t'as des gens qui prennent vite la grosse tête après. Moi le premier. Ouais, voilà, j'ai non, c'est pas vrai parce que je te reçois donc et personne te connaît. Non, mais oui, carrément. Ouais. Non, mais c'est ça, et enfin, de toute façon. Non, mais du coup, ouais, non, c'est pas trop mon truc ces émissions-là. Non, mais t'as bien raison. On va pas non plus là-dedans. Et le métro. Métro, parce que toi, t'es à Paris, hein, je rappelle. Pourquoi pas aller chanter dans le métro et éventuellement faire de la monnaie cash. En plus, t'as même pas besoin de le déclarer aux impôts, ça, c'est net d'impôts. Non, mais en plus, je crois que tu dois le déclarer. En vrai, parce que c'est pas tu chantes pas comme ça hein, dans le métro. Hein. Il y a une sélection, je crois. Hein. Enfin, il y a une sélection, tu dois candidater. C'est pas n'importe qui. Enfin, c'est aussi une compétition, hein. Et non, puis en vrai, c'est sûr que pour moi, en termes de confort, c'est tellement plus confortable d'être dans ma petite chambre à enregistrer chaud, mes sons. Ouais, donc en vrai, Mais en vrai, ce serait une expérience hyper bien aussi. Hein, mais pour l'instant, comme je dis, tu chantes pas comme ça dans le métro. On fera un truc ensemble un jour. On ira se poser dans la rue à Paris. Vraiment, dans une rue de Paris. Je sais plus qui chantait ça, mais bref. On ira se poser dans une rue de Paris et tu iras faire quelques petites chansons. Moi, je serai ton danseur attitré, je danserai derrière toi, tel un Claudette derrière Rachel au piano. Oh mon Dieu. Clodo. Mais... Non, t'as les Claudettes et les Clodo. Voilà, moi, je serai le Clodo. Rachel au piano et au Clodo. Non, mais non. Rachel au piano, Aurel au Clodo. Non, mais en plus, même pareil, je crois que pour chanter dans la rue, tu chantes pas comme ça non plus. Hein. Il faut aussi une autorisation. Tout est question d'autorisation. Putain, c'est chaud. Ça a retenu une chose. Les années de droit. Welcome to French. Voilà, en droit, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est tout est question d'autorisation. Ah oui, c'est le seul truc que tu as retenu après toutes ces années. Ouais. Elle est belle, la France. Très, très belle. Surtout le cerveau de Rachel, il doit être beau. Oh. Moi, j'aimerais bien l'ouvrir, histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis. Attends, je vais taper dedans vite fait. Attends, bouge pas. Putain, ça se. Waouh, ça se. Waouh, c'est creux ça de résonne. Ouf! Oh mon Dieu! Oh! Y'a rien là! Ouh, va falloir le remplir! Ouais, bah écoutez, un jour. Bon, c'est bien parce qu'au moins ça fait un beau coffre pour la voix, tu vois. Y a une exactement, bonne ça résonne. C'est le côté pratique. Exactement.
Exactement. Rachel, merci pour cette interview. Mais je t'en prie, merci à toi. J'ai passé un excellent moment, vraiment. Et ben moi aussi, c'était et très sympa. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en feu aujourd'hui. Appelez, on fire. Appelez les pompiers. 18. Voilà. Rachel, ce jingle va annoncer quelque chose. Ok. Waouh. L'interview street avec Aurel. À ton avis, qu'est-ce qu'annonce ce jingle ? C'est pas le jeu là, c'est pas bien. Le jeu du si pas bien. C'est pas bien, ouais. Le jeu du si pas bien, c'est très simple. Ouais. C'est très simple. Là, on va voir si le cerveau de Rachel, c'est ça. Ou si c'est ça. Est-ce que c'est creux ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? On va le voir. Je peux vous répondre. Maintenant. Je peux vous répondre tout de suite. Il n'y a rien dedans. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parce que tu es une femme très intelligente. L'interview que tu nous as faite est une interview très intelligente avec beaucoup d'impact, je l'espère en tout cas, sur les personnes qui nous écouteront en podcast ou qui nous écouteront, qui nous écoutent là en direct d'ailleurs sur, sur Vive FM. Maloé, qui est notre caméraman officiel aujourd'hui pour l'émission, je te suggère, si possible, de lancer un chrono. Un chrono de 30 secondes, voilà. Je vais te mettre en talkback, tac, hop, je t'active un micro. Le micro 2, hop, je coupe l'antenne. Comme ça, normalement, si tu parles, on va t'entendre, mais l'antenne ne t'entendra pas. Le 2, le micro 2. Il n'y a pas de micro 2. Si, le micro 2, celui-là. Ah oui, okay. Le, voilà, voilà. Donc, si, suis le micro du ukulélé. Voilà. Alors, c'est en direct, hein. Ah. Ah, un chrono. Sinon, je le mets, moi, tu, le chrono. Tu parles dedans, là ? Oui. On t'entend pas. Parle ? Je parle. Bon, bah écoute, il y a un problème technique avec ce micro, je comprends pas. Ah. Bon, Rachel, du coup, balance le chrono, mais pas de triche. Maloué, tu es notre VAR. Mm-hmm. Voilà, donc c'est toi qui vas vérifier si tout est bon et tout. De toute façon, moi, je t'entends même à travers le casque. 30 secondes, donc je te pose des questions. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'explique les règles, parce que du coup, j'ai même pas encore expliqué les règles. Donc, on va faire la finale de la Coupe du Monde du C'est pas bien. Okay. La finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que on va désigner deux pays. Ces deux pays vont s'affronter pour être finaliste de la Coupe du Monde. Du coup, on va faire un Chifoumi. Est-ce qu'on a un petit objet là quelque part ? Un petit objet ? Tout petit objet que je peux tenir dans la main. Bah, y a les clés là. Vas-y, passe les clés. Ok. Attends. Oh, putain. Oh, pardon. Et en gros, on va faire la finale France-Brésil de 98. France-Brésil, ok. Ah oui. Ah, oui. C'était France-Brésil. Ah oui, France-Brésil. Et celui qui tombera, selon Chifoumi, bah, il aura la France ou le Brésil. Du coup, je vais prendre les clés. Tac, hop. Donc, voilà. Pour notre Chifoumi, on a ça. Ok. Vraiment le matos de la guerre. Ouais. Allez, je mélange. Donc okay. Tout est dans mon dos. Ouais. Et je ne triche pas, je ne vois pas, je ne sais pas. Hop, tu ne sais pas, tu ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, main droite ou main gauche ? Main droite, et ça va être la gauche. Et c'est la gauche. Et voilà. Donc je suis la France, tu es le Brésil. Ça te va ? Ça me va très bien. Allez, je pose les clés. Ça, c'est les clés du... Écoutez, ça, c'est les clés du cœur de Rachel, les gars. Écoutez-moi ça. Voilà, ils sont posés. C'est bon, c'est posé. Ok, tu me dis top pour le chrono. Je suis là. Ah non, faut qu'il explique. Je suis grave motivé là, les gars. France-Brésil, je suis la France quand même. On a gagné 3-0 en 98. Faut que je regagne 3 manches à 0. Oh, allez. C'est fort possible. On a 3 manches. Okay. 3 manches. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Notamment les mots bientôt, cinéma, piscine, facile, difficile, sorcière. Tous ces mots-là, tu n'as pas le droit de les dire. Si, pas, donc papa. Papa. T'as pas le droit de le dire non plus. Mm. Bien, bientôt. Et pas de mots en langue étrangère. Et pas de... Parce qu'évidemment, crevard comme je suis, c'est considéré comme deux fois la même réponse. Je comprends. Et pas de seconde de blanc, pas de mots en langue étrangère. Comme ça, tout est dit. D'accord ? Okay. Voilà. Okay. On a entendu une petite vibe, ça c'est cool. Pardon. Petite vibe, petite vibe de chanteuse, comme ça vous avez un à peu près sur ce que ça va être la troisième partie. bon, Rachel. Yes. Est-ce que t'es prête ? Je me mets dans mon fauteuil de leader. Hop, tac. Donc c'est toi qui commences à poser les questions. Exactement. Trois manches. Wow. Et tu dois tenir 30 secondes. Ok, je vais sûrement perdre. C'est parti. Est-ce que t'es prête ? 3, 2, 1, let's go. Rachel, comment ça va ? Ça va très... beaucoup. C'est-à-dire ? Je me sens pas mal. Pas mal, t'as dit pas. Pardon ? T'as dit pas. En effet. T'as dit deux fois pas en plus. T'as ah dit oui, bah oui. Pas mal et pardon. Ok, bah voilà. Super. Deux fois pas. Ouais, bon. Fou, elle a tout compris celle-là. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes. Bon, tu peux mieux faire, Rachel. Rachel, tu peux faire les 30, bordel. Allez, je suis pas sûr, hein, 3, 2, 1, let's go. Est-ce que cette interview te plaît ? En effet.
Tu passes un bon moment ? Extrêmement enrichissant. Ouais, deux secondes de blanc. Attends, t'as dit extrêmement deux fois en plus. Extrêmement t'as dit extrêmement, extrêmement. Ah, j'ai pas le droit de me répéter. Ah bah non, ça bah non. Bah non, pas deux fois la même réponse. Même comme ça, même en mode hésitation et tout ça. Eh non, bah bien sûr que non. Bon, c'est un jeu du tac au tac. Écoute, j'ai fait 7 secondes. Moi, je trouve ça mieux. C'est mieux. Allez, c'est déjà mieux. On tente 10. Allez. Mais 30 quand même, c'est mieux. Allez, okay. 3, 2, 1, let's go. Rachel, qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Un tacos. Est-ce que t'as trouvé ça bon ? C'était succulent. Vraiment ? En effet. T'as passé. Tiens, tu mets quelle note à l'interview street pour l'instant sur 10 ? 10. Et est-ce que ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Pas évident. T'as dit pas ? Ah oui ! Oh putain, elle a pas fait les 30, j'ai eu peur, putain. Non, mais j'étais sûre. T'as fait grave. Combien ? J'ai fait 20. Ok, bon, ça va. Mais ça a doublé le ça score. Va. Hein, t'as doublé ton score. J'ai doublé. Quasiment x2, allez, parce que t'avais fait 7, donc 14 plus 6, 20. Ouais. T'as fait 6 secondes de plus, x2. Waouh, incroyable. Une belle progression. Félicitations, quasiment le triple en plus. Ouais, à un près. Écoute, j'ai pas lâché, je suis allé jusqu'au bout. T'es allé jusqu'au bout. Et advienne que pourra. Hein. Tu nous en montres que t'étais capable. Bah, capable moyennement, quoi, mais bon. Ouais, ça va, t'es pas non plus incapable. Ouais. T'as fait plus de la moitié, c'est pas mal. C'est ça, c'est pas mal, mais le pas, ça m'a fumé, quoi. Ah, le pas est à buter. Le pas, il est très dur parce que je le dis très souvent, quoi. Enfin, comme beaucoup de gens. C'est comme fin. D'ailleurs, tiens, s'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent en podcast, faites un retour en arrière vers le début de l'émission et comptez deux fois combien de fois elle a dit fin depuis le début de l'émission et vous m'envoyez un petit message sur Insta jusqu'à la fin de cette émission. Voilà. Okay. Vous comptez. Parce que fin, c'est un de tes mots, c'est un de tes mots favoris. Et je ne m'en rends même pas compte. Ok. Bah, réécoute cette émission. Ok. Comme ça. Oups. Voilà. Bah, désolé, hein. Ça doit être insupportable. Allez, okay. Non, au contraire, mais non, mais tu as une voix tellement agréable que rien ne peut être insupportable, dit par toi. C'est très gentil. Merci. Voilà. Je sais pas si c'est vrai. Si, t'as une voix hyper agréable. Ouais. Mais vas-y, je vais pas te mettre trop de fleurs, sinon tu vas être là, tu vas prendre la grosse tête. Oui, je prends la grosse tête. Non, mais la gueule pourra même plus sortir de ce studio. Non, mais je passe pas la porte. Même la planète Terre, elle sera plus grosse que sa tête, c'est incroyable. Bon, c'est parti. C'est moi qui pose les questions. C'est toi qui me poses les questions, c'est moi qui réponds aux questions. J'ai peur. Non, tu vas sûrement gagner. C'est parti, let's go. Tu vas bien, Aurélien ? Tranquille. T'es sûr ? Posé. Vraiment sûr ? Absolument. Ah ouais ? Yes. Non, j'ai dit yes. Langue étrangère, connasse. Hé, Kylian, toi qui vas à 38 km/h quand tu cours, aide-moi, esprit Kylian. Allez. T'es prêt ? Ouais, moi tu me parles pas d'âge. Excuse-moi. Allez, 31, let's go. Top. Tu as bien mangé ce midi ? Évidemment. Ah ouais ? Tacos. Et t'aimes bien le tacos, toi ? Incroyable. Ah ouais, tu préfères pas genre les burgers ? Rien de meilleur. Rien de meilleur qu'un tacos ? Du tout. Ah bon ? J'adore. T'es venu comment ce matin ? À la gare ? En train ? Voiture. Il était sympa, le chauffeur ? Absolument. Vraiment ? Incroyable. Qu'est-ce qui t'a aidé à rentrer ? Aller jusqu'à Noyon ? Rachel. Elle était sympa, Rachel ? Du tout. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas. Et Une monstre. Une monstre, ouais, tout le monde dit ça sur elle. Putain, t'as gagné. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, je suis en train de danser. Il est en train de danser. Il a bien raison, c'est. Et du coup, attends, je t'avais promis une musique. Je t'avais promis une petite musique, alors attention. Voilà. Bravo. La performance de Rachel aussi pas bien. Qui était pas bien. Voilà. C'est pas vraiment... si pas bien, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Allez, on profite une dernière fois de cette musique. Exactement, on kiffe, on s'ambiance. Wouh ! Et t'as moi qui suis en train de danser tellement je suis content. Bah tu m'étonnes, moi qui danse un peu moins parce que je suis moins contente. Voilà, merci. Mais j'assume, c'est pas merci, bien. Laissez-moi mon trône de leader. Allez, c'est parti, deuxième partie de l'interview street maintenant. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Rachel, toujours avec nous dans l'interview street, tous les soirs dès 21h. Tous les mardis soirs, putain, je m'enjaille un peu, je dis tous les soirs. Là. Non, je suis là tous les mardis soirs à 21h sur Vive FM. Merci à vous, en tout cas, d'être là et de nous supporter toujours autant. Rachel, c'est parti maintenant pour la deuxième partie anecdote. J'espère que t'es prête. Oui. Tu es prête ? Bon, bah, écoute, c'est parti. En fait, je suis bête, on va redéclencher la musique. Voilà, hein, on va redéclencher ça. Rachel, ton anecdote la plus drôle et la plus stupide que tu puisses nous raconter, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans un voyage à l'étranger. Nous t'écoutons.
Alors, j'avais une anecdote. Elle est pas forcément sur la musique ou sur. Enfin, en fait, j'en ai plus. Est-ce que c'est parce qu'elle est assez drôle? Enfin, je sais pas. Mais est-ce que je peux quand même la raconter? Bien sûr. C'est sur moi petite. Mais tant que c'est sur toi, évidemment. Voilà, parce tout, que tout, je trouvais tout, que tout peut être raconté sur toi, Rachel. Eh ben, écoute. en gros, il faut savoir que mon premier jour d'école maternelle, quand ma mère m'a emmenée à l'école, j'aimais pas du tout ça. Et en fait, j'ai voulu m'enfuir. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la classe avec tous les gens. Je sais pas, j'étais déjà hyper indépendante. Je me disais, bah, je sais pas, ça me plaît pas. J'étais bien mieux chez maman. Voilà, j'étais bichonnée, tout ce qu'il faut. Hélas, donc, ça me plaisait pas. Donc, je me suis échappée. C'est-à-dire que la salle de cours était au rez-de-chaussée. Je suis passée par la fenêtre. La professeure n'a rien vu. Je pense qu'on peut quand même le constater. Et je suis passée par la fenêtre. Mais là, oups, oulala, je suis tombée devant un grillage. Et je me suis dit, vas-y. Je suis petite, je passe à travers le grillage. Donc, j'ai essayé de passer ma tête au travers du grillage. Et tu vois, moi, je m'étais dit, vas-y, la tête, elle passe, le corps, il passe. Alors, sachez, grand sensible que vous êtes, non. Non, non, ça ne passe pas. Si la tête passe, le corps ne passe pas forcément. Donc, j'ai passé ma tête au travers du grillage. Je n'ai pas réussi à passer le corps parce que, en plus, je mangeais bien à la cantine à cette époque. Donc, ma tête est restée coincée. Donc, j'ai vraiment la tête coincée dans le grillage de l'école. Et la maîtresse, peut-être au bout de 3 heures, s'est quand même dit « Ah tiens, il me manquerait pas un enfant ?» Et elle s'est rendue compte que oui, j'étais coincée dans le grillage. Donc tout le voilà. Déjà beaucoup d'intelligence petite. Déjà voilà, déjà le c'est pas bien, je devais déjà le gérer à cette époque. Donc ensuite, t'as le corps enseignant qui sont venus parce qu'ils avaient quand même une enfant de je sais pas quel âge là, 5 ans coincée dans les barreaux. Et donc ils ont essayé de me décoincer, une personne n'a réussi. Moi je commençais peut-être à m'inquiéter un petit peu parce que j'avais quand même la tête coincée entre des barreaux. Un petit peu. Un petit peu, voilà, et du coup ils ont appelé les pompiers carrément. Et apparemment, c'est drôle parce qu'apparemment, je pleurais. Et quand j'ai vu les pompiers, j'ai arrêté de pleurer. Apparemment, j'ai dû comprendre. Ah, là, les pros sont là, je me calme. Et les mecs ont réussi à me décoincer, enfin, m'enlever la tête du grillage. Et comme vous pouvez l'avoir pu voir, c'est pas bien. Je pense qu'il y a un bout de mon cerveau qui est resté là-bas. Ouais, je pense. qui est resté mais coincé je me demande justement s'il est pas, s'il est pas coulé par tes yeux, parce que c'est, ouais. C'est le trou par lequel il peut. Oui. On voit qu'Aurélien a fait bac S scientifique. Exactement, grande connaissance. Bac S et bac A, bac aveugle. En effet, mais ça existait en plus à l'époque, je crois, le bac A, bac C, tout ça, bref, pour ceux qui connaissent. Et bref, tout ça pour dire que je suis restée coincée, qu'on m'a décoincée, que les pompiers m'ont décoincée, ça a duré super longtemps cette histoire. Et depuis, dans mon école maternelle, apparemment, on m'appelle le papillon. Le papillon? Ouais, parce que j'ai essayé de m'échapper, papillon, la reine de l'évasion manquée. Et apparemment, c'est une anecdote qui racontait apparemment à d'autres classes pour dire ne vous échappez pas par les barreaux parce qu'il y a une idiote qui est restée coincée. Waouh, la star de l'école quoi. Mais toi tu t'appellerais pas Redouane Faïd par hasard? Redouane Faïd c'est qui ça? C'est le roi de l'évasion manquée. Ah bah c'est possible, c'est peut-être moi d'ailleurs. C'est peut-être toi. Tout simplement. Putain, j'ai Redouane Faïd dans mon émission. Et les oui, gars. En fait c'est moi. Ah ouais. D'ailleurs je regarde comment sortir de cette pièce. Incroyable. Il y a une petite fenêtre, ouf. Alors voilà. Attends. Je veux juste faire attention qu'il n'y ait pas des armes sur lui. Ah. Alors non, ça va. Non, bon, non, ça non. Va. C'est pas besoin, ça va, pas, ça besoin va. Pas besoin. Je risque pas ma vie comme à l'hôtel de 50 ans. Non. non, c'est bon. Ah, pas de soucis avec ah, ça. Ah non, mais quelle anecdote. Je peux raconter cette anecdote? Tu peux, grave. Ça fait chier, j'ai pas de musique glauque là-dedans. T'as pas une petite musique genre non, d'évasion là. J'ai pas de musique glauque. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux avoir en stock? Qu'est-ce que j'ai en stock? Non, j'ai pas de musique. Bon, bah, je vais mettre celle-là, comme ça, ça va donner un petit peu le. Allez. Ça va faire ça, ça va coûter un petit peu le côté à la blague. Allez. Alors, nous étions le lundi 11 mars. J'étais parti à l'hôtel parce que le lendemain, je devais à Lille pour un voyage un petit peu professionnel. Je suis arrivé à l'hôtel. Bien évidemment, je me suis posé dans ma chambre, j'ai posé mes affaires, etc. Le soir, je me suis commandé un petit tacos, j'ai pris ma douche tout tranquillement en me disant bon, Aurel, tout va bien se passer, demain tu vas passer la meilleure de journée. Vers 3h du matin, je me réveille parce que j'avais mon cœur. J'avais mon train à 5h50, voilà. Donc du coup je me réveille pour aller prendre mon petit déj. Et là tout d'un coup, un homme à poil arrive devant la vitre de l'hôtel. Il commence à toquer. La femme, ne voulant pas lui ouvrir, la réceptionniste de l'hôtel, ne voulant pas lui ouvrir, l'homme continue à frapper. La femme appelle la police. L'homme ensuite défonce littéralement la porte et pénètre dans l'hôtel et menace de nous tuer avec deux couteaux à pain. Voilà, donc j'ai failli ne pas faire cette émission aujourd'hui, j'ai failli ne pas être présent. Et pour vous dire un petit peu la petite anecdote de ouf, vraiment qui est complètement dingue, c'est que mon sauveur, c'était Axel, le président de cette radio.
Voilà. Ah ouais. Qui est venu et qui nous a sorti. Il nous a sorti des gonds de cet homme qui était sous cocaïne, qui a été donc jugé dès le lendemain en comparution immédiate, qui a été expulsé vers le Maroc. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que les mecs, avant de l'immobiliser, ils ont quand même dû lui mettre 10 coups de taser. c'est quand même assez dingue. Au bout d'un coup de taser, moi, je suis par terre, les gars. Donc voilà, le mec assez barjot, 44 piges. Voilà, toxicomane, alcoolique. Voilà. Ne vous droguez pas, ne buvez pas. Et ne venez pas aux portes des hôtels pour taper. Voilà, Sinon, vous finissez au Maroc. Après, c'est cool le Maroc. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. En plus, il Big up à tous les Marocains. Big up. Big up. Et en plus, il fait bon là-bas, là, en ce moment-là. Ouais, j'ai envie d'y aller en vacances. On y va ensemble, Rachel ? Avec plaisir. Je t'invite. Ah bah oh. Là, ça commence à devenir. Une... La musique Vans commence à se transformer en musique de love. Non, mais en vrai, j'aimerais trop aller. Enfin, le Maroc, ça doit être. J'aimerais trop y aller. En vrai, c'est. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Enfin, pas trop, ouais. Donc, vraiment, Maroc, avec plaisir. Alors, je vous rappelle que vous devez compter le nombre de fins que Rachel dit dans l'émission. Oh, voilà. Purée. Incroyable. Rachel, nous avons fini l'anecdote. Nous allons maintenant passer donc au prochain jingle. L'interview street avec Aurel. Et oui, l'interview street avec Aurel seulement sur Vive FM. Tous les mardis soirs à 21h. Dites-nous hein, ce que vous êtes en train de faire sur Instagram. Aurélien-du-bas, fr-du-bas ou sur le compte Instagram. L'interview street, L-I-N-T-E-R-V-E-W. STR2ET, je sais pas si quelqu'un a compris, mais si vous avez compris, tant mieux. Rachel, passons maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. C'est un jeu facile. Là, pour le coup, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de tout ça. Je vais te donner des catégories et tu vas devoir me dire dans cette catégorie qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Par exemple, si je te dis dans la catégorie film, qu'est-ce que tu aimes ? J'adore les road movies. Enfin, c'est les films un peu qui se passent sur les routes. Enfin, ça paraît bizarre comme ça, mais. Road movie. Ouais, enfin, les films un peu d'autoroute, un peu style américain, tu vois, j'aime beaucoup. Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Il y a des films que j'aime bien, hein, mais des fois, dans les films d'horreur, des fois, je trouve que c'est un peu toujours pareil. Mais il y en a des très bons, je le reconnais, mais c'est pas forcément les films que je vais aller voir en priorité. Ok. En interview, qu'est-ce que tu aimes ? La street interview, enfin celle qu'on est en train de faire. Non, c'est pas la street interview. Merde. Oh. Comment elle s'appelle cette interview là ? Ah si, c'est l'interview street. Voilà, l'interview street. Oui, et moi, wow. Je sais, ça vient du problème de cerveau. Donc c'est le problème de cerveau. Comme il y a un problème de cerveau, je suis obligé de lui lancer ça. Ouais. Voilà, on est obligé. Bravo, t'as quand même réussi à dire le nom au bout de 3 tentatives. Merci, tu sais, c'est bien ou c'est pas bien, à vous de juger. Félicitations, c'est très bien. L'interview street, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Non, je vais pas le dire. Moi, je trouve ça pas trop mal hein, ce qu'ils font. Donc, je sais que c'était concurrent, hein, Aurel, mais bon. Concurrent direct. Ouais. Je sais, mais non, ce que j'aime pas comme style d'interview, c'est, tu sais, les trucs un peu qui pouvaient se faire pas mal avant, où tu invites quelqu'un juste pour le casser, mais vraiment casser. Ah, genre Thierry Ardisson. Ouais. Thierry Ardisson. Disons, il y a certaines séquences. Enfin, je pense qu'on en a tous en tête où des fois il y a des invités qui se sont vraiment fait casser. Ils jouent vraiment sur les sentiments, genre. Oui. Enfin, tu vois, et ça, je trouve, c'est pas top. Pas respect. C'est pas ouf. Effectivement. Ouais, je trouve. Dans ta maison, quel est ton appart plutôt, ton petit studio. Quelle est ta pièce préférée? Bah ça c'est dur à dire parce qu'en fait c'est une pièce. Enfin il y en a deux. Il y a la salle de bain et le salon, donc je vais dire le salon. Enfin le salon, la salon qui fait office de chambre, de cuisine, de tout. Voilà, quoi. Non mais c'est ça qui est pratique du coup cette question en fait elle sert à rien. Donc ce que t'aimes pas c'est la salle de bain. Quoi. Bah en vrai même pas, elle est même pas antipathique la salle de bain, mais par rapport au salon je préfère peut-être le salon à la salle de bain. Quoi. C'est bien, c'est vrai. Ça. Bah oui parce que dans le salon du coup tu travailles, tu fais tout. Je fais tout, je dors, je travaille, je mange, enfin c'est ma vie. Ah donc c'est pour ça, donc en fait quand tu nous disais que tu faisais tout à l'heure la musique dans ta chambre, c'est également dans ton salon et ta cuisine. Exactement, en fait j'aurais dû dire je fais ça dans une pièce, qui est la pièce où je vis, où ma je pièce mange, principale. Ma pièce principale, exactement. Voilà, on apprend à parler aux invités ici, vous avez vu. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait un petit peu le tour du j'aime ou j'aime pas. Voilà. Merci à toi, à toi Rachel. Sache qu'on passe un excellent moment avec toi. Merci. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Et ouais, vous venez d'entendre le jingle à l'instant sur Vive FM. C'est parti pour la partie 3. Donc comme je le disais, partie très sérieuse. C'est la partie chantée maintenant. Rachel va nous montrer
tout ce qu'elle sait faire, tout son potentiel de chanteuse. En plus, elle a ramené aujourd'hui le ukulélé. Alors ça, c'est une première dans l'Interview Street. On n'a encore jamais eu d'artistes qui viennent avec des instruments. Et bah, sache que tu es la première et tu as l'honneur d'être la première dans l'Interview Street. Rachel, c'est pas incroyable ? Alors, je t'entends pas. Ton micro ne fonctionne pas. Tu m'entends ? C'est bon. Ça... C'est bon. Eh ben, écoute, merci. J'espère que vous ne serez pas déçus. Tu sais que, carrément, tellement je me suis dit, ça va être nul. J'ai coupé ton micro. Ouais, j'ai vu, ouais. Vous avez vu comment on est traité ici, quoi. Tu dis, oula, elle va chanter, couper les micros. Bah, attends, on va pas se choper des orages comme on a eu ce week-end, bordel. Oui, c'est vrai. Il a déjà grêlé tout à l'heure. On s'est déjà pris la grêle. C'est ça. Et même, ouais, même avant l'émission, d'ailleurs, on a eu une petite grêle. Exactement. Mais le pire, c'était samedi. Voilà, ouais. Samedi, c'était chaud. Ouais. Bon, Rachel. Yes. Let's go, ukulele. Let's okay, go. C'est bien, j'ai pas besoin de dire let's go to get it. Je peux dire let's go, ukulele. Exactement. Allez, let's go. Est-ce que j'annonce un peu la chanson de quoi elle parle? Bien sûr, mais bien Nickel. Sûr. Et parle-nous d'ailleurs dans quelles circonstances elle a été écrite et tout. Alors, la première chanson, du coup, vraiment, c'était une semaine où j'étais rentrée plusieurs fois tard. J'avais enchaîné deux soirées. T'avais fini de torcher. Hein. Ça va, en vrai je bois pas tant que ça, et d'ailleurs je tiens à dire que c'est une chanson humoristique, vraiment ne buvez pas, ne fumez pas, voilà, c'est vraiment sous le ton de l'humour, mais en gros c'est mais si, il faut même prendre de la drogue, c'est non. Les substances non, sont voilà, importantes non voilà, toujours modérément s'il vous plaît, non, sans modération, comme ça vous finissez tous à l'hôpital et on est tranquille, il reste plus que la terre pour nous deux. Non non, vraiment c'est plus vraiment l'idée, tu rentres de soirée, voilà, t'es fatigué, t'es encore bourré, comme le voilà, dit la musique. Voilà, exactement, et que tu dois te lever le lendemain. Voilà, donc ça parle de ça, c'est pas un thème. Elle est sur les plateformes ? Non, pas encore, mais elle va bientôt Putain, sortir. Putain, moi je la veux, frère, t'as intérêt à la mettre. Elle va bientôt sortir, j'ai pas encore de date, mais j'y travaille. Sinon, vous allez voir dans le journal Mort d'une femme, parce qu'elle n'a pas mis la musique sur les plateformes. Non, arrêtez. Non, mais ça arrive. Non, celle-là, il la faut sur les plateformes. Elle est incroyable, j'aime beaucoup. Du coup, Rachel Oyukulele, comment s'appelle la musique ? Bah pour l'instant, elle n'a pas vraiment de nom, mais on peut dire la pression, je la gère qu'au bar. Ouais, voilà, la pression, je la gère qu'au bar. Voilà. Tu sais que c'est un beau titre. J'aime ouais, beaucoup. En vrai, c'est pas mal. Mais je crois qu'on a créé le titre dans l'Interview voilà, Street. C'est la première phrase. En fait, j'ai juste regardé mes notes, putain, il me faut un titre. Et c'est la première phrase. Et bah, moi, s'il te plaît, pour ouais. Nous, pour Vive FM, pour moi. Je mets ça comme titre. Tu mets ça comme titre. Allez, c'est parti, c'est acté. Promis ? Promis. Allez, c'est parti. Dès que je vois le titre, je vous jure que je la repartage en story. Et je dis. Okay. C'est grâce à moi, c'est tout. Allez, Rachel. Yes, c'est parti. Let's go. Let's go. 3, 2, 1. Rachel dans l'Interview Street maintenant, avec son, du coup, qui parle de l'alcool. C'est parti. La pression, je ne la gère qu'au bar, barbouillé. On se tape tes barres, mais j'ai oublié que demain je devais me lever, commencer à 8 avec une cuite à la belle vie. La belle vie à Belleville, c'est chill. Je respire la moitié de ce que mes potes fument. J'inspire mon écharpe parfumée, il parfumait en plus. Ah, que du bonus. Allez, santé, santé, la clope en rentrant sur mes vêtements. C'est top, on parle de tout, d'études, tu une taf en se plaignant de son taf. T'as l'air fatigué, non, je suis juste encore bourré. Bordel, c'est ça, sortir de soirée, croiser de plus belle les premiers jokers. À l'heure où ma tête est celle du joker, il pète le feu quand mon pote cherche le feu pour son pète. Pompette, mais heureuse d'être contente, on se contente de dormir à l'heure où il court ici que le sommeil en court. On débat avec peu de vocabulaire, 1000 excuses à la langue de Molière. 20 milieux sous les pierres nous conduisent au sanitaire, peu à peu le bar ferme. Le barman nous dit barrez-vous, ça barde pour nous, ça plane pour mon pote. À 6h les chokers, nous on a fait un bière pong entre deux clopes. Au JO on ferait un tabac, il prend son bédo pour un dernier départ. À 6h les chokers et nous on a fait un bière pong entre deux clopes.
T'as l'air fatigué, non, je suis juste encore bourré. Bordel, c'est ça, sortir de soirée, croiser de plus belle les premiers jokers. À l'heure où ma tête est celle du joker, il pète le feu quand mon pote cherche le feu pour son pète, pour mon pète. Mais heureuse d'être contente, on se contente de dormir à l'heure où il court ici que le sommeil en court. T'as l'air fatigué, non, je suis juste encore bourré. Bordel, c'est ça, sortir de soirée, croiser de plus belle les premiers jokers. À l'heure où ma tête est celle du joker, il pète le feu quand mon pote cherche le feu pour son pète, pour mon pète. Mais heureuse d'être contente, on se contente de dormir à l'heure où il court ici que le sommeil en court. Waouh, ça va, l'ukulélé, il a tenu le choc. Ouais, je suis désolée, hein, je crois que j'ai tapé. Tu l'as tabassé, l'ukulélé. Ouais, j'ai tapé sur le micro aussi. Je suis désolée. Ça, non, ça, ça, on n'a pas entendu. Ça, on n'a pas entendu, promis. Ouais, okay. Mais je pense que le micro ne fonctionne pas. Hein, parce que, Le micro du ukulélé ? Ouais, c'est pas grave. Écoute, on l'a bien entendu. C'est pas plus mal parce que vraiment, j'ai tapé sur le micro du ukulélé. Il était assez proche de ma main, donc c'est limite pas plus mal. Non, mais on n'a pas entendu. Putain, comment tu fais pour sortir cette voix ? Genre, t'as déjà fait de l'opéra ? Ouais, bah la chorale en fait, c'est du chant, c'est un peu opératique quoi. Mais t'as le genre de voix technique là qui me fait trop kiffer, genre. C'est sincèrement, gentil. Ce genre de voix technique et tout. Tu vois, tout à l'heure on disait le cerveau creux, bah ça t'a au moins donné cet avantage, c'est d'avoir une voix exceptionnelle. Ah ouais, bon, je sais pas, c'est gentil. Merci. Regardez, il y a un petit rayon de soleil là dehors. Ah bah non, c'est vrai, il est 21h. Un petit peu trop tard. Non, il n'est même pas 21h, là, il est 22h passé. C'est juste la lumière, Aurélien, calmons-nous. Oui, mais tu es la lumière. Tu es la lumière du ciel tellement tu brilles. C'est gentil, mais ce n'est pas vrai. Avec plaisir. C'est juste l'électricité. Non, mais je crois que c'est ton crâne qui brille. Ouais. Oula, ça fait peur. Un crâne qui brille, appelez-moi Megamind. Tu sais, Axel, par exemple. Ouais. Thomas Pesquet, son crâne, il le voit dans l'espace. Ah oui, bah. Il est chauve. Ah bon ? Oui. Thomas Pesquet, il est chauve ? Axel. Notre président, notre patron. Pardon, autant pour moi. Voilà. Dédicace à toi, mon patron. Bisous. Voilà, on t'aime. Rachel, yes. Deuxième morceau a cappella. Yes. Là, va devoir porter ses burnes. Là, attention. Moi, je demande des exercices très compliqués. Yes. Rachel, qu'est-ce que tu veux nous chanter a cappella ? Alors, je vais chanter une chanson qui s'appelle Le malheur est dans le pré. Alors, vous allez voir, exceptionnelle sa voix. Je sais pas. Mais comme toujours. En gros, c'est pour la petite histoire, c'est ce qui se passe. Mais enfin, on en a beaucoup parlé là avec ce qui s'est passé avec les agriculteurs, le fait qu'ils gagnent une misère, alors que c'est eux qui nourrissent le monde. Merci Macron. voilà. Mais c'est des problèmes qui sont là depuis très longtemps, hein, déjà. Mais là, au bout d'un moment, je pense qu'on a atteint un ras-le-bol. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est terrible quand tu vois qu'il y a. Je crois que c'est presque un agriculteur par jour. Moi, j'avais vu un agriculteur tous les deux jours, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est quasiment un agriculteur par jour qui se donne la mort. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, c'est un son qui parle de ça. Et voilà. Donc le malheur est dans le pré. Voilà. J'ai eu du mal encore avec la technique. Hein. ouais, il a voulu me déstabiliser. Non, mais, là. Non, vous mais... avez vu comment il nous teste ici. Non, mais des je te jure. Non, mais en fait, c'est une dinguerie parce que j'avais baissé. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes techniques, j'avais baissé la tronche complètement de la musique. Je me suis dit, putain, ça marche pas. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, c'est quoi ce bordel ? J'en peux plus de cette console. Je vais la prendre, je vais la massacrer. Elle va finir dans le mur. Ouais, on voyait que t'étais pas très bien. On voyait que tu commençais à trembler. Ouais, de ouf. Non, j'avais non, mais, peur, moi, de. Voilà. Je pense que sur la vidéo, vous allez me voir. Là, j'étais là en train de. Non, j'étais en train de serrer là, j'étais en train de péter un câble. J'étais en train de me dire putain, qu'est-ce qui se passe encore avec. En fait, tout le long où. Bon, je t'ai écouté bien sûr, hein, tu nous as parlé des agriculteurs, etc. Non, mais t'inquiète. Mais j'ai essayé de gérer en même temps la technique parce que je suis réalisateur et animateur. Voilà, c'est mes doubles métiers. Je peux vous dire que c'est pas facile. Surtout quand t'as des sujets intéressants comme Rachel est intéressante. Ouf. Non, mais c'est vrai que pour le coup, t'es hyper intéressant. Non, mais toi, tu manques de confiance en toi. Hein. Non, mais toi, on va en parler en antenne. Attends, on va en parler en antenne. Parce que tu manques trop de confiance en toi et j'aime pas ça. C'est pas confiance, c'est juste faut rester simple. Oui, pas non, mais ça, je suis d'accord. Pas... Mais quand quelqu'un te dit ouais t'as une belle voix machin, prends-le. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a ça et puis ça bah là moi je te dis t'as des sujets intéressants, la preuve, on dit sur la longueur de cette émission qui est je
Bon, alors j'ai pas regardé l'heure, mais je crois qu'il est plus de 22h là. Ouais, il y a moyen, on, ouais. On a dû dépasser, on a dû dépasser l'heure d'émission. D'ailleurs, vous avez pas eu votre top horaire, et bah tant pis pour vous. Tant pis. À vous de regarder sur l'horloge quelle heure il est. C'est ça. Gérez votre temps vous-même. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, on le gère pas ici sur Vive FM. Bah, ça, c'est d'ailleurs, c'est un peu l'histoire. Enfin, moi, pour les gens qui me connaissent, je suis extrêmement retardataire. Ah oui. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Je veux dire, j'étais même en retard le jour de ma naissance. J'étais prévu le 25, je suis arrivée le 26. À partir de là, on ne peut plus rien faire pour moi. Les gars, moi, je vais vous dire que je suis le mec le plus chanceux de l'histoire de la Terre et de l'histoire de Rachel. Parce que pour moi, elle est arrivée pile poil à l'heure. Ah oui, parce que c'est toi qui étais très en retard. Waouh. Non, mais franchement. C'est juste que j'avais un train plus tôt. C'est juste pour ça. Les gars. Je vous dis, j'ai une touche. Voilà. Elle est arrivée à l'heure. Pas de retard. Tout est bien qui finit bien. Exactement. Et qui démarre bien. Non, en tout cas, merci à toi d'être là. Donc, merci à vous. Tu vas nous faire le malheur et dans le prêt, c'est ça ? Exactement. A cappella. Et, et puis ensuite, on se dira au revoir. Hein, on se dira déjà au revoir. Déjà au revoir. C'est ça. Allez, c'est parti, Rachel. On t'écoute. Derrière un pays, il y a paysans, payer plus de factures, produisant la fracture. Passe ses journées à planter, jusqu'à se demander s'il ne s'est pas planté de boulot. La cause de ses maux, quand les marchés assoiffés de bénéfices, c'est ma femme et ceux qui nourrissent le reste du monde. Quelle cicatrice de vivre avec moins de 300 euros. Chère ferme vendue aux enchères, sa terre ferme part pour pas cher. Misère paysanne, pas passagère, réponse de l'état majeur en l'air. Les marchés se font des marches d'enfer, car le malheur est dans le pré. Le prix de l'eau ne cesse d'augmenter, plus que les pleurs pour arroser les prés de la banque. Refusé, compte vidé, mais la coupe est pleine, et les peines au-delà des plaines, les plaies des uns font le capital des autres, peine capitale pour certains qui préfèrent dire adieu à demain. Agriculteurs semblés, ça semblait impensable, ça semblait pour dénoncer le responsable, un système qui cultive la mort du monde rural. Le fermier traité comme du bétail, triste bataille de voir son crédit et rejeté avec fermeté, sa ferme, sa vie, sa maison dans la prairie, voir ses fleurs fanées. Chère ferme vendue aux enchères, sa terre ferme part pour pas cher. Misère paysanne, pas passagère, réponse de l'état majeur en l'air. Les marchés se font des marches d'enfer, car le malheur est dans le pré. Le prix de l'eau ne cesse d'augmenter, plus que les pleurs pour arroser les prés de la banque refusée. Compte vidé, mais la coupe est pleine, et les peines au-delà des plaines, les plaies des uns font le capital des autres, peine capitale pour certains qui préfèrent dire adieu à demain. Waouh, jusqu'à la dernière note. Jusqu'à la dernière note. Non, c'est magnifique. Par contre, j'avais une question. Est-ce que le... C'est normal ou... Ouais. Sur les notes un petit peu plus... Ouais. Ouais, en théorie, ouais. Non, mais c'est incroyable. Je sais pas. Bah, après, ça, c'est un peu pour imiter un peu les chanteurs un peu de country, entre guillemets. Ouais, non. Moi, je suis pas du tout une pro, ça se trouve, ça rend pas bien, je sais pas. Non, en fait, le truc, c'est ça, justement. C'est que c'est une technique vocale que j'avais encore jamais entendue et que je trouve finalement magnifique, surtout en voyant que tu la rates pas du tout. Et que t'as ton vibrato qui est là, t'as ta vibe qui est là, et c'est une vibe en fait différente de celle qu'on peut entendre dans les musiques d'aujourd'hui. Donc je trouve ça incroyablement magnifique.
et honorable en fait de t'avoir eu dans l'émission. C'est gentil. Justement par rapport à cette différence et plein de trucs, parce que on a eu des sujets hyper attrayants dans l'émission, on a eu des sujets super intéressants, on a rigolé, on a pleuré parfois, notamment quand j'ai raconté que j'ai failli mourir. Ouais, bah non, mais quand même. Enfin voilà, on est vraiment passé partout, donc vraiment merci à toi, Rachel, d'être passée. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très très sympa. Tu peux me tutoyer, tu sais. Hein. C'est vrai. Mais je suis seul dans cette émission. C'est vrai, c'est vrai. Je suis seul. Excusez-moi, excusez-moi, cher sueur. C'est parce que tu me respectes trop, c'est pour ça. C'est ça, je suis ouh. Voilà. Quand je vous dis que j'ai une touche, les gars, c'est que vraiment. J'ai une touche. Vraiment. Vraiment. On va gérer ça en antenne, t'inquiète. Non, j'étends. Donc, calmons-nous. Mais non, c'était un peu pour imiter un peu les chansons country. Et en fait, c'est un mélange un peu entre du yodel. Le yodel, c'est quand tu fais passer un peu voix de tête, voix de poitrine. Donc, c'est le c'est ça, en gros. C'est magnifique. Et là, en gros, c'est un truc. Mais tu peux entendre ça aussi un peu dans les chants un peu latino, entre guillemets. Un peu en Espagne aussi, tu vois, ils vont faire des trucs. Et en fait, ils vont faire un passage. Shakira le fait beaucoup, ça. Ouais, t'as un Shakira. Gims aussi, il le fait en France. Ouais. En fait, c'est vraiment ce truc où tu. Je suis un zombie. Ouais, en fait, tu passes. Mais c'est exactement ça. Tu passes. En fait, tu joues avec la limite entre ta voix de poitrine. Donc là, la voix avec laquelle je parle, c'est la voix de poitrine. Et la voix de tête, c'est la voix comme ça. Et du coup, tu joues avec la. tu joues avec la limite entre les deux, quoi. Et du coup, ça fait ça fait un son un peu comme ça. Donc, notamment sur le. Plus que les pleurs. Enfin, je sais plus où c'était, mais pour le début, notamment, genre. J'ai refermé fendu. Enfin, ça fait un truc comme ça. Donc, tu joues avec le passage voix de tête poitrine. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est du jamais vu. Bon, écoute. Du jamais vu dans l'Interview Street et du jamais vu dans le monde. Bravo. Dans le monde, si, mais je sais pas. Bravo Rachel, en tout cas. Ouais, c'est gentil. Félicitations, merci à toi d'être passé dans cette émission. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Très bon moment. Merci de m'avoir invité, c'était hyper sympa. Ben, avec plaisir, écoute. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Plaisir. Si tu as des nouveaux EP, des nouveaux trucs, des nouveaux sons qui sortent et tout, ça arrive. Tu seras les premiers à te partager. Enfin, moi, en tout cas, je serai le premier à te partager. Beaucoup. Ce son est déjà sur les plateformes. Ouais, il est sur toutes les plateformes. Il est également sur YouTube pour ceux qui n'ont pas de plateforme, dont moi la première. Moi la première. J'ai pas Spotify, j'ai pas Deezer, mais en tout cas, il est sur YouTube. Vous tapez Le Malheur est dans le Pré, Rachel au piano, vous l'aurez en entier. Rachel au piano, donc. Voilà. Passons maintenant à la quatrième partie. Allez, encore on va se faire plaisir. Un petit jingle. Jingle ou pas? Jingle. Allez. Jingle. Vas-y, annonce le jingle. Comment je fais ça? Jingle. L'Interview Street avec Aurel. Eh ouais, l'Interview Street avec Aurel chaque mardi 21h. Ça va déjà être la fin de cette émission, messieurs, dames. Mais avant de finir, évidemment, on ne peut pas finir sans demander à Rachel quels sont ses réseaux sociaux et où on peut la rejoindre et l'écouter. Yes, alors mes réseaux sociaux, vous me trouvez donc sur Instagram, TikTok, c'est Rachel au piano, tout simplement, vous tapez Rachel au piano, vous me trouvez sur les plateformes Rachel au piano, je suis partout, Spotify, Deezer, YouTube, partout, donc c'est Rachel au piano. Il n'y a pas quelque part où il y a un tiré du bas, ce serait pas sur TikTok par hasard, un truc comme ça? Attendez. Non, mais en vrai, vous tapez Rachel au piano, au moins vous allez trouver. Oui, sur Instagram, il y a un tiré en effet. Voilà, sur Instagram, donc Rachel tiré du bas. Il y a Rachel tiré du bas au piano. Mais voilà. Même si vous tapez Rachel au piano, normalement vous trouvez. Ouais, mais tapez Rachel tiré du bas au piano, au moins vous allez tomber sur la vraie belle gosse. Voilà. Vous allez tomber sur la vraie bombe atomique. Sinon, vous allez tomber sur des fakes et ça va briser votre écran. Rachel! Merci à toi. Merci d'être passé dans l'Interview Street. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés, en effet. Merci. Voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites pendant cette émission sur Instagram Aurélien-FR-du-bas ou sur le compte Instagram de l'Interview Street, et allez donner un maximum de force à Rachel parce qu'elle le mérite vraiment. Je pense que après les prestats là que vous avez entendus sur Vive FM, je pense que vous avez kiffé. Dans quelques minutes, cette émission sera disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, partout. Et d'ailleurs, YouTube, on est en vidéo, d'ailleurs, sur YouTube. Voilà, Rachel, merci encore. Merci. Mille merci à toi d'être passé, même je dis. Non, merci à toi. Et puis, j'espère qu'on pourra se refaire une émission très, avec très, très plaisir. Vite. Parce que vraiment, c'était incroyable. J'ai passé un super bon moment en ta compagnie. Moi aussi. Maloé, merci à toi d'avoir filmé. Merci, grave, voilà. Merci, ouais, big up. passe un petit peu le micro, qu'elle nous fasse un petit message. Yes. Allez, Maloé qui arrive dans un petit Bonsoir instant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est quoi cette douce voix? C'est simplement ma voix. Voilà, bah écoute, merci à toi d'avoir filmé cette émission. Bah de rien, et moi je me suis régalée. Grâce à toi, l'émission sera en vidéo. Si vous voulez venir voir l'émission, tiens, pour ceux qui veulent venir dans les coulisses de l'émission, peut-être pour voir à l'émission, voir...
voir les invités, etc. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On essaiera de vous accueillir en studio une ou deux personnes maximum. Et si vous voulez, tiens, sur WhatsApp, j'ai une chaîne qui s'appelle l'Interview Street. Voilà, vous pouvez voir les coulisses de l'émission, vous pouvez avoir des informations en exclu, donc n'hésitez pas à venir voir sur Instagram, je le mets en story, c'est en story dans la story de l'Interview Street, tiens, sur mon compte Instagram Aurélien-Dubas, et c'est en story là actuellement, je viens juste de vous le mettre à l'instant. N'hésitez pas à venir voir tout ça, et nous, bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, juste après Urban Heat avec Alan, ça sera mardi à 19h. Demain à partir de 7h, retrouvez Axel dans le morning, voilà, qui vient refaire vos matinées de 7h à 9h. Ensuite on aura Cyril qui sera là vendredi. On aura Dan aussi jeudi pour Cyril avec son émission qui fait 17h-19h. Alors pour le coup je m'avance hein, parce que j'ai aucun papier sous les yeux. 17h-19h Cyril, 14h-18h Charles, ça sera vendredi avec VivTube. Et à 19h, ça sera Dan qui sera là pour votre émission. Alors, Maloé, est-ce que tu as le nom d'émission de Dan du vendredi soir? Bah oui. Comment ça s'appelle? Oui, je l'ai. T'avais l'air confiante. J'ai un trou. Et bah, retrouvez Dan en tout cas vendredi soir à 19h sur VivFM. Ah, c'est pas. Mixer Radio. Attends, Box, il y a un truc, Box. Non Box Mix, non. Box Mix. Possible, peut-être. Il va me gronder, hein, je crois, parce qu'il va nous écouter. Il va me dire, mais attends, tu passes assez souvent à la radio pour savoir quand même. Ah putain, ouais, je crois qu'il. Moi, pour le coup, tu vois, je passe pas souvent dans son émission, donc ça va. Ouais, généralement, le vendredi, bon, je suis en voyage d'affaires. Je suis très, très, très peu souvent dans la région. Mais bon, voilà, Dan, vendredi soir à partir de 19h sur Vive FM. Et puis, bah voilà, toute l'équipe hein, qui voudra kiffer samedi matin à partir de 8h, ça sera Stéphane. Et puis voilà, bon, bref, toute l'équipe qui sera là pour vous accompagner dans votre semaine. Et quant à nous, eh ben, on se dit à mardi pour la prochaine Interview Street. Plein de bisous, prenez soin de vous, la famille. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Bis! Ciao! Merci, bisous. Merci, gros bisous à toi, Rachel. Et merci encore d'être passé. T'as été incroyable. Oh, merci, c'est gentil. Du sucre, du miel. Merci à toi. Merci. Merci. Allez, bisous. Bisous. Interview Street avec Aurel. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview Street avec Aurel.